Oui. Eh bien le bonjour à toutes et bien le bonjour à tous, c'est Mika02 de la Team Fun et Déglingué. On se retrouve ce soir pour un petit live ETS, désolé du retard, on a un petit souci. J'ai Monsieur Pierre qui est en vocal. Salut à tous. Et qui n'arrive pas à me rejoindre sur la partie. Et Maxou, ça va sûrement être la même chose Maxou. Hein ouais, je crois ceci. Donc bah c'est pas grave, on va rester tous les trois en vocal. Salut Monsieur Fredo, comment tu vas? On va rester en vocal tous les trois et on va faire des petites missions chacun de notre côté. Je pense que c'est le mieux à faire pour vous montrer salut, du contenu. Hein. Enfin, des petites apparemment. Ouais. Moi du coup je vais pas en prendre des trop longues. Hein. Parce que je préfère en faire plusieurs petites plutôt que... Une grande longue. Ouais, tiens, je vais commencer par une petite Calais-Le Havre, là. 295 km. Ça va me mettre en jambes. De toute façon, ça a été une journée, je pense, un peu galère. Que je n'ai plus une touche qui fonctionne sur mon volant. Oh. Ouais. C'est bête. J'ai plus une seule touche qui fonctionne. Tournez à gauche. C'est bête. Mon pédalier fonctionne, le volant fonctionne, mais tous les boutons qui est dessus fonctionnent plus. Faudra que je regarde, je pense que je dois avoir un fil qui s'est débranché. Mais c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Faudra qu'on essaye de voir Pierre un jour où t'es dispo un après-midi, puis bah, faut ouais. Qu'on essaye de regarder. Ouais, si, ouais. Si en décochant déjà tous les modes, si on arrive à se retrouver ou pas. Tournez à droite. Moi, j'arrive déjà pour prendre ma cargaison. Vous êtes arrivé. Ça, comme c'est beau. Je vais aller prendre des touillots. Des quoi? Des touillots. Ah, tu connais pas, c'était... C'est quoi des touillots? C'est une connerie qu'on faisait avec hein des oncles il y a des fois, quand j'étais un peu plus jeune. Oh, des tuyaux, en fait. Voilà, on en avait un, il s'appelait Manuel. Ouais. On faisait, hey, Manuel, où toi mis le tuyau? Du coup, c'est respect. Hop, merde. On est en train de prendre du gasoil. Je sais plus trop où, en Angleterre et jusqu'en Bulgarie. Voilà, donc on va transporter ces tuyaux-là, j'ai dit, jusque Le Havre. Voilà, allez, on va se mettre en route, les amis. Moi, je suis en train de faire Angleterre et Bulgarie. Ah, Angleterre. Ah, si tu veux, tu peux inviter Fredo, il adore l'Angleterre. De ce que j'ai compris, c'est son endroit préféré là, sur Farming, sur ETS, pardon. Sauf que là, c'est pas mon camion, du coup, j'ai le volant à gauche. Ah oui. Et c'est pour la qualité de vidéo des petites vidéos que je fais, Pierre. Ouais. J'avais bien raison, hein. C'est au moment de l'exporter, il faut changer, hein. D'accord. Oh ouais. Là, celle que j'ai mise pour pas qu'elle est en qualité HD. Ouais. Donc même si le contenu, il y a des fois, est pas, c'est peut-être pas le meilleur, je vais essayer de mettre des vidéos de agréable à regarder. Ouais. Ah oui. Tournez à droite. Allez, Fredo, l'Angleterre. Maxou, il a besoin d'un coéquipier. Bah là, je suis plus en Angleterre. Hein. Et il faut dire que t'es en Angleterre. Oh, on va inviter Fredo. Oh. Il t'invitera à manger de la leur truc vert là qui fait tout bizarre avec du thé. Un truc vert bizarre avec du thé. Ouais, leur gelée à la menthe. Ouais. Ils aiment bien ça, là-bas, c'est leur dessert préféré. Oh oui. Ah bon? Lui. Je savais pas. Si.
se laisser couler. Oh, on va rester par ici. Ah, c'est parce qu'on est dans un salon privé, Fredo. On va qu'on essaye de voir. Parce que. Après, sur ETS ou alors quand je vais arriver à destination, c'est le seul moment où on peut te basculer. Après, on est chez la patronne, mais on est dans le salon. Bah, sinon, il vient, moi je suis dispo, je bascule. Ah bah. Viens, Fredo, je vais te basculer. J'aime bien te basculer. Ah, on va. Et alors, s'il réclame, c'est qu'il a apprécié samedi. Ah oui. Je vais tout basculer. Et dans un salon chez la patronne. Ah, c'est vrai que c'est pas pareil hein, de rouler chacun de notre côté, mais il faut qu'on essaye de trouver de où ça vient. Hein. Monsieur, salut, bon... salut. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fredo. Non, non, mais ouais. C'est bon, il faut que Pierre il arrête de me basculer, je commence à avoir mal aux fesses. Ça, Pierre, ou alors je pensais, c'est comme tu dis, comme à chaque. Parce que c'est vrai qu'avec Katian, on n'a pas de problème. Est-ce que t'as pas eu une mauvaise mise à jour qui s'est faite, tu sais? Je l'ai désinstallé, réinstallé hier. Ah oui, donc ça peut pas être ça. Donc ça peut pas être ça. À chaque fois que j'ai un vocal avec vous, il y a de l'orage. Ah bah, c'est bête. Non, nous ça va. Moi, à mon avis, il est pas loin l'orage, dans mon coin. Bon, on a eu un après, mais on aura un ce soir. Ouais. Oh, c'est chaud. Non, c'est bon. Puis là, j'ai pas pris mon téléphone à côté de moi, comme ça, s'ils essayent de m'appeler, c'est mort. Hier, j'étais sur le live à Fredo, mon téléphone, il sonne, il était 20h30. Ouais. L'astreinte pour me demander si je pouvais aller remplacer mon collègue qui devait travailler à 21h, parce qu'il était parti aux urgences avec un de ses enfants. Ouais. Je fais, ouais, mais je fais normalement, demain, je faisais la journée. Il me fait, ouais. Je fais ça se passe comment? Ben, il me dit, je vais essayer de trouver quelqu'un, je vous rappelle. Tant qu'il me dit ça, je vais aller me préparer. Je me prépare tout, je mets à peu près un petit 10 minutes. Il m'avait pas rappelé, je fais, je vais le rappeler, je rappelle le gars. Oui, faut que j'appelle la personne qui est en poste là de journée, si demain il peut prendre de votre journée. Ben, je fais, mais chez moi, je me suis mis en tenue, j'ai une demi-heure pour aller travailler. Je fais, plus on attend longtemps, plus je vais mettre de temps à. Alors, plus le collègue, il va rester longtemps. Ah, il me fait, bah, il me dit dans ces cas-là, allez-y, le temps que vous êtes sur la route, je vais l'appeler. N'importe quoi. Et comme ça, je suis arrivé à 9h15 au lieu de 9h. Bon. Ouais, mais que ça soit pas pénalisé sur ta Non, journée, bah non, bah non. Non, 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 ça ils peuvent pas. Qui te paye correctement, qui te suspend, tu vois. Non, moi, ils vont me payer correctement. Par contre, mon collègue qui n'y a pas été, s'il a pas de justificatif et rien pour sa fille. Ils vont lui compter une absence injustifiée. Ah, oh, ça, oui. Je t'avoue. Ah, bah oui. Hein. Bon, après, c'est quelqu'un qui est régulièrement coutumier des faits, donc on a l'habitude. Hein. Voilà, ouais. C'est régulier qu'il doit soi-disant emmener des enfants. Après, ça peut arriver d'avoir un enfant malade, attention. Hein. Mais c'est régulier qu'il y a quelque chose qui va pas, il est en panne de voiture ou si ou ça. Après, j'y ai pensé, je fais si je fais hier. J'étais dispo aujourd'hui. Mmh. Donc ça me permettait qu'on fasse un petit truc ce soir et puis. Voilà, puis ça m'embêtait. Moi j'étais. Même si j'ai dormi un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, au moins j'étais présent à la journée. S'il y avait quelque chose, j'étais à la maison, quoi. Oui. Oui. Chier ça. J'y pense à chaque fois que j'ai plus mes touches sur le volant. C'est bête. Bah oui, mais du coup, j'avais programmé des touches. C'est pareil quand je vais être sur farming. Faut que je fasse gaffe à ça. Ouais, ça va se faire. Ouais. Bah oui. Mon beau-frère, il est pas sûr sur tout ça. Je vais essayer de l'appeler. J'ai débranché le volant. Et puis, si je peux lui amener, il va lui jeter un oeil. Il va me dire, ça se trouve, c'est juste un fil qui s'est débranché. C'est possible. Sur le bonhomme ou sur le volant?
sur le volant. Les deux. Ah. Les deux, mon capitaine. Parce que quand je tourne, ça fonctionne. Les pédales, elles fonctionnent. J'ai plus que le X qui fonctionne. Sinon, tout le reste, ça fonctionne pas. Alors bon, j'essaierai de voir ça. J'essaierai d'appeler mon beau-frère et puis s'il peut m'y jeter un petit coup d'œil, au pire le week-end prochain et puis voilà. Jeter un œil, mais faut qu'il le récupère, hein, son œil. Oui, t'inquiète pas, Maxou. Bon, après, au début, j'avais pas les touches qui étaient configurées. Donc c'est juste qu'il faut que maintenant, je pense que faut que je retourne sur le clavier pour certaines touches. C'est pas dérangeant. Ça, faut reprendre l'habitude. Ça, faut reprendre l'habitude. Je prenais toujours plus ou moins l'habitude parce que quand il y a des fois, tu sais, je fais des essais ou que je vais modifier des trucs. Je prends l'ordinateur portable, donc je suis toujours plus ou moins habitué. Ouais, mais quand t'es au bureau qui a le volant, pour rechoper le coup du clavier... Ouais, si, ça va se faire. Alors attends, parce que là, il faut que je sorte... Oh là là, ok, bazar. Parce qu'il y avait un accident. Alors, faut que je sorte, que je reprenne la voie pour ressortir, pour reprendre la voie. Oh, wow. Il va y avoir des virages, vous allez choper le bal de mer. Oh mon dieu. Peut-être bien que je me remette à jouer à fin à ETS. Tenez la droite. Bah, ça fait un bout de temps qu'on entend que tu dois reprendre le coup. Je l'ai pas encore remis en route. Bon, pour motiver. Oh. Ah bah. Pour motiver. Oh. Saint-Pierre, ou quand t'as essayé, tu sais, de partager, t'avais retiré les 3 DLC, les 3 modes, comme on avait dit, ou tu les avais laissés cocher? Ils étaient laissés, mais ce que je compte... À mon avis, Pierre, il a l'orage qui est pas loin de chez lui. Ouais, parce que il a dit quoi que je compte. Prends pas. Ou il a de l'orage ou il a perdu la batterie. Non, je pense que c'est l'orage. Il a dit qu'il était pas loin de chez lui, qu'il l'avait entendu. Mince. Là, j'ai touché. Bon, après, je pense juste que je ferai 2 ou 3 petits trajets, hein, parce que... Sachant que... Ah, redémarrage du PC. Moi, au début, j'ai cru que pour le volant, c'était... Quand samedi, tu sais, on a fini de jouer. Après, j'ai mis à jour ma carte graphique. Mets à jour la carte graphique et quand j'ai voulu reprendre hier, déjà dimanche sur ETS, mes palettes au volant c'était mes clignotants. Puis ils fonctionnaient pas, donc au début je pensais à un conflit de mode avec le mode que j'avais pris des cloches en chocolat. Je me suis dit c'est peut-être ça, bon finalement. Et quand hier soir j'ai mis le volant sur farming, j'ai ma touche pour déplacer mon joueur qui fonctionne pas. Bon, je me suis dit c'est peut-être la mise à jour de. La carte graphique, puis j'avais une mise à jour Windows. Pour ça qu'avant ton live, j'ai fait la mise à jour Windows. Ça fonctionnait toujours pas. Tout à l'heure, je mets l'ordinateur portable à côté. J'installe le G-Hub. J'ai branché le volant dessus. J'ai essayé de bouger avec les touches. Bon, ça bouge pas. j'ai compris. C'est un fil qui a dû se débrancher. Bah, attends, faut que je prenne le volant, moi. Oula! Oh. Petit Pierre qui s'est décroché. Je suis pas en mode streamer, j'ai pas les sons. Ouais. Bah oui, comme il fait un redémarrage du PC, Discord il s'est coupé. Ça y est, mort là. Du coup, Pierre, il a fait le petit son quand il s'est connecté. Bonsoir, c'est pourquoi une consultation? Oui, oui, oui. Ah, ça y est, je peux acheter la voiture. Oula. Je vais chercher la voiture de la ferme. Ouais, Maxou, Ginette va bien? Ginette. C'est plus Ginette, c'est Paulette.
Non, mais faut... je vais regarder, Fredo. Je vais essayer de te faire une vidéo farming avec du chargement de bot pour te donner un petit cours. Ça me donne même pas envie, tu vois. C'est ça va être ça va... Non, mais ça va être à la va comme je te pousse le chargement de bottes. Et Si jamais pourquoi? j'ai un avantage, c'est que si jamais ça me gonfle et que je suis en live avec madame elle prend en autoload et puis j'ai tout. Oh là là, tu sais. Oh, c'est pas bien ça. Non, mais ça sera la motivation du bonhomme, comme d'hab. Ouais, moi j'ai essayé une technique. Bon, je m'aperçois que la technique avec les bottes couchées, c'était pas le top. Donc la prochaine fois, je retirerai les fourragères et je les chargerai droit dans les fourragères en me mettant en biais et puis c'est tout. Non, ce que Je tu reviens. fais, c'est que tu les charges à plat. Les bottes d'enrubannage, généralement, c'est chargé à plat, c'est pas chargé sur le flanc. Si, il y en a qui les cherchent sur le flanc. Ah bah c'est très rare. Mais La moi je plupart les. du temps, c'est Oui, à mais moi. plat. Ouais, mais je les prends à la pince, moi, Fredo. Je les pique pas, mes bottes d'enrubanné. Eh ben, à la pince, regarde dans l'IRL. Oui, À la dans pince, ils chargent. l'IRL, ils ouvrent un tout petit peu la pince et ils arrivent à s'en aller. Sauf que sur farming, dès que tu touches au bouton, la pince, elle s'ouvre à fond. Ah ouais. Ça, c'est Donc, dommage. c'est ça qu'il faut que je regarde parce que moi, normalement, ma pince, c'était mes flèches, sur mon volant. Donc là, il va falloir que je trouve une combinaison de touches qui n'est pas déjà prise pour la pince. T'as le même que moi, le bazar avec le joystick, t'as le même que moi. Oui. Le panel, c'est le même que mien. Oui, mais moi j'ai déjà. Mais moi c'est plus quand tu tournes le joystick. Hein. La roulette qu'il y a à N gauche du panel non, en bas. non, la roulette c'est pour le. Comment? Le régulateur. Ah d'accord, ok. Non, bah ok. Non, non, Et mais la palette t'inquiète. 21, tu l'as utilisée pourquoi toi? 21, 21, 21. C'est laquelle, C'est c'est la matière? la palette qui est entre le joystick et puis... C'est pour passer, tu sais, du véhicule au plateau, du plateau au chargeur, pour passer de véhicule, tu sais, d'équipement en équipement. Ah c'est le... La D'accord, touche c'est G. la tabulation. Non, la touche G. D'accord. Tu sais, quand Ah tu G, sélectionnes ton ouais. tracteur ou ton semoir ou ton chargeur. Ah d'accord, ok. Non Non, bah... mais t'inquiète, je vais trouver. Je T'inquiète, paupiette. vais bien trouver une combinaison de touches à la mort moelle-neuve. Ça, c'est pas dérangeant. Ouais, y a pas grand monde ce soir. C'est calme, hein? Pour moi, prenez la deuxième sortie. Bonjour Monsieur Fred Toulouse, comment tu vas? Salut Fred Toulouse. Ah J'avais pile pas tous chou. les messages de midi, dis Moi j'ai tout, c'est bon. donc. Sortez Comment s'est maintenant. passé ton week-end, Monsieur Fred Toulouse? J'espère que vous avez eu du bon chocolat pour les enfants. Et nous on a. Les cloches elles sont passées pour les enfants. On y était 10 minutes après, il y avait un rayon de soleil et la porte chocolat commençait déjà à fondre. Et puis une fois que les gamins ils ont ramassé les chocolats, il a plu. Bravo. Ah ouais, non. Je disais à Pierre, Fredo, tu veux que je te fasse rire? Jusqu'à maintenant, donc déjà, je remercie les 24 abonnés. Hein. J'ai Ah pris merde. 3 abonnés là sur ma dernière vidéo. Et ma vie, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. C'est la cargaison des cloches de Pâques en chocolat. Tournez à droite. Celle où sur la miniature, j'ai mis des oreilles de lapin à mon camion. Ah oui, j'ai pas été voir. Faut que j'aille voir ça. Eh ben, Sachez eh, que cette juste, vidéo. juste la miniature, c'est vrai que Vanessa, la miniature, l'a bien fait rire quand j'étais en train de la faire. Ben, Oups. je pense que vu que la miniature, elle était pas mal drôle, ben, ça a bien plu aux gens. Allez, on va livrer les touilles. C'est un peu la remorque. Regarde, tout en cabine en plus. C'est où le réglage, nom de Dieu? Les réglages de poids. Ah non, rien.
inversé. En dès le fin de l'embrayage, je vous pète la boîte à vitesse sur le tracteur. Mais ça, je sais que l'embrayage de Katia, elle l'a fait. Sur ETS, c'est son frein, je crois. Ouais, pareil, moi c'est pareil, c'est l'embrayage et le frein. Mais sur farming, je sais pas si tu peux. Après, t'as quelqu'un qui t'a dit hier oui, mais moi j'ai un doute. Et je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Voilà, on a fait déjà une petite cargaison, les loulous. Désolé, on est en team ce soir, mais chacun de notre côté, est-ce qu'on a des problèmes de connexion pour se connecter tous ensemble? On va pas aller en Bretagne. J'ai celle-là. C'est une rapide aussi, c'est. Oh non. Là, je vais aller livrer le. Je vais aller faire une petite livraison pour Fredo. Oh. Un nouveau processeur. Moi j'ai activé le GPS et à mon avis je pense que ça doit être ici. Hein, normalement. Ah, je pense que c'est à l'endroit où je suis. Oui. Ça marche pas. Allons, c'est vrai. Voilà. C'est bête. Et bien ce qui me semblait, l'embrayage, tu peux t'en servir comme touche Shift. Moi, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que ma touche A, quand elle était attribuée, tu peux appuyer sur l'embrayage et sur A en même temps, ça te fait une fonction supplémentaire. D'accord. Bonne nuit, Sacha. Oui, Sacha. Hop. Allez, on est parti pour la deuxième cargaison de la soirée. Voilà, je vous la montrerai pas, hein. C'est une remorque toute simple. Hein. Salut, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Mais Phyto, bonsoir, on est deux. Bien ça va. J'ai cherché la pu... Non, là, je vais chercher les chocolats de Pâques. Ah, mais bon. Bon. Après, j'espère que les gamins, ouais, ils ont été gâtés par chez vous. Ouais. Bah, pas par le temps, mais par la poule, ouais. Oui, il l'a fait à la maison, dans la maison, parce que bah. Bah ouais, on s'est pris une drache hier. Le terrain était inondé. Coucou Valentin, comment tu vas? Oh, tiens, salut Valentin. Salut Valentin. Faut faire comme Romain après-midi. Quand Valentin il est passé, il cherchait, il croyait que c'était son fils. Ouais, j'ai vu sans doute. Il a cru que c'était son gamin. Ça va et toi Valentin? Ouais, faudra qu'on rediscute de ce qu'on disait samedi par rapport à ETS. Ben oui, mais je pense que je vais essayer de voir avec Pierre. Il faudra qu'il me dise un jour où il est dispo cette semaine. Parce que moi, je retravaille que vendredi de soirée. Donc, essayer de. Je vais faire si tu veux. Attends, j'ai le cœur. Il faudrait que j'essaye de demander à Romain ça s'il y avait retirer. Des lives demain ou pas. Oui, alors demain après-midi, tu auras Monsieur Agrissim Gaming sur sa partie de la limousine. Après, je ne pense pas que Romain prend la suite, parce que je pense qu'il doit travailler. Je crois que Romain, il bosse, ouais. Voilà. Et demain soir, tu as Monsieur Fredo qui est là avec nous, de la team TFB, la ferme des amoureux, qui va faire un live, normalement, si Soso va bien, si elle est en forme. Ouais, normalement, demain, ouais, mais pas jeudi. Jeudi, elle est de fermeture, madame, donc... Ben, justement, je vais essayer de voir, parce que nous, mercredi, on fait un petit peu de off... Et si Katia, ça va, au lieu de faire vendredi, dans ces cas-là, on prendra peut-être le créneau exceptionnellement du jeudi soir. Ouais. Comme moi, ça. Jeudi, cette semaine, elle est que de fermeture que de jeudi. Ah, bah après, faudra que j'essaye de voir avec Katia. Et si elle se sent d'attaque, et puis bah, dans ces cas-là, on fera peut-être jeudi pour changer un petit peu. Casser un petit peu les habitudes. J'ai mis le lien Valentin si des fois tu l'as pas. Merci monsieur Pierre. Merci monsieur Pierre. De rien monsieur Fredo. T'as vu par contre, je te préviens, tu rajoutes pas ça à la facture. Si hein. Non. Non non. Elle va être salée. Hein. Oh merde.
D'ailleurs, Vanessa, que on essayait de regarder pour faire l'essai, on avait dit. Hein. Je te Tiens redirai ça d'ailleurs, tout à l'heure. Fredo, je t'ai oublié aujourd'hui. Enfoiré. Je te vois arriver, il y en a un, à 1 h du matin, il m'a envoyé le message, le fumier. Fumier. Au début, j'étais sur le téléphone, j'avais tout préparé. Hein. Puis à minuit, je partais. Puis à minuit et demi, je partais faire la ronde. Je fais, je l'envoie avant ou après? Oh, je fais non, je vais l'envoyer après, comme ça, s'il a oublié de quitter, de mettre son téléphone en silencieux, il va l'avoir à 1 h du matin. Ouais, j'étais tranquillement en train de m'endormir. L'année dernière, j'étais le seul qui l'a fait. Bah là, du coup, j'ai même pas été voir s'il y en a d'autres qui t'ont souhaité ta fête. Non, j'ai pas vu. Ah oh, zut. Oh, tu vois, les gens, Non, c'est moi plus ce ça que me... c'était. Hein. Oh, moi ça Non. me va, moi. Moi Mais ça moi, me va. l'année dernière, je te l'avais fait en privé, en message privé. Oui, monsieur. Il y en a un cette Oh. année, il l'a mis. Il y en a un cette année, il me l'a mis en direct live dans le Discord de la team. Ouais, c'est plus drôle comme ça. Le pire, c'est qu'on n'était pas encore couché avec Sophie, enfin, on commençait à s'endormir. Puis je regarde mon portable, je dis salaud. Alors, Sophie me dit qui regarde, a été éclaté de rire. Bah, d'ailleurs, enfin, j'ai une discussion avec elle. Est-ce qu'elle quitte le live? Hein, elle est fatiguée. Et puis derrière, elle va me dézinguer sur le jeu Monopoly. Ah ouais, ça c'est son moment de détente avec lui. Voilà, ouais, je vais me venger. Tiens, la prochaine fois que je vais être de nuit, elle va recevoir des notifications toute la nuit. Bah. Ah, je râle, c'est quand... Oh, c'est qui a coupé. Pas moi. Pierre? C'est Pierre qui a Ouais, coupé c'est encore? Pierre. Je pense. Yes, c'est Pierre. Pierre. Et ce que je comprends pas, c'est que samedi, c'est ce qu'on disait. D'habitude, on est sur farming. Même sur serveur, au bout d'une heure, il se fait kicker. Samedi, on est resté 2 heures. Il n'y a pas eu un accro, il n'y a rien eu. Tout était nickel. Ouais, mais s'il a de l'orage près de chez lui, est-ce que ça sent vu qu'il a une co un peu Ah, top top top? quand on est sur ETS, Pierre, il est avec nous régulièrement. Régulièrement, il se fait déconnecter ou ses camions, ils s'envolent. Ça se trouve, c'est sa co qui foire, tout doucement. Soit c'est Sako qui foire tout doucement, ou... Parce que toi, tu... Oui, non, bah non, parce qu'on a déjà joué, même avec Fredon, on a déjà joué, ça n'a jamais posé de problème. Sinon, j'allais dire, c'est peut-être parce qu'il a une version CD, tu sais. Mais non, toi aussi, Non, Fredo, tu l'as sur CD, donc... pour farming. ETS. Ah non, ETS, c'est le seul jeu que j'ai pas sur PCD. Moi, c'est Steam. Parce que je sais pas, ça peut être dû à quoi, on a été vérifié, on a bien les mêmes versions et tout. Il est mort là. Remasser. Et là, quand on se connecte, début, j'ai essayé, j'ai hébergé la partie, j'avais mis tous les mods. Il a tout en rouge, il a tout d'incompatible. Donc Pierre, il s'est peut-être dit, c'est peut-être la version, tu sais, de TS, on n'a peut-être pas la même. On a été voir et on a la même. Ouais, non, ETS, moi je l'ai même pas en version ETS, je l'ai même pas en version CD, je sais même pas si ça, je savais même pas que ça existait en version CD, tu vois. Oui, c'est la dernière. Attends. Je crois que la dernière année de vente, ça doit être 2019. La dernière année de vente du CD. Non, D'accord, mais mais je savais même pas, tu vois. non, mais ce que je voudrais faire cette semaine, c'est juste à titre d'essai, même si on roule pas, hein. Ouais, bah oui. C'est désactiver tous les mods. Et essayer de regarder la version vierge. Si on la met, tu sais, en version vierge, si on arrive à se connecter ensemble ou pas. Au Sinon, pire, c'est... on crée on se crée tous les deux un nouveau profil. Hein. Bah, moi, j'en ai déjà un. Hein. Pour ça. Hein. Si vous faites version vierge, ça voudrait dire que c'est un mode qui pète alors, qui fait péter. Ouais, mais après, il faut trouver lequel. Malheureusement, ouais. Je sais Parce qu'en même pas plus où de je ça, vais. ce mode-là, il met les skins de la team en défaut. Oui, mais tout en défaut. Ah bah si ça se trouve, c'est ça. Ah, mais ce que je comprends pas, c'est que la dernière fois, Pierre, il arrivait pas à nous rejoindre. Et moi, avec exactement les mêmes modes, on a su jouer ensemble avec Katia. Ouais, exactement la même liste de mode. Oui? Oui, mais est-ce que vous avez pas ouais, mais après Pierre, t'as quoi comme PC? Est-ce que la puissance du PC, je rentre pas en ligne de compte? Peut-être pas assez de RAM? Oui, mais alors pourquoi j'arrive à aller sur le multi-farming?
Il y a que ETS qui me fait ça. Oui. Ouais, c'est pas faux. Donc on va essayer. On va essayer de regarder si on retire tous les mods, si on y arrive ou pas. Si on y arrive, bah, je sélectionnerai, je ferai des paquets de 10 mods jusqu'à voir. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'avec exactement la même liste de mods, sans mettre à jour, sans rien. Moi, enfin, avec Katia, on arrive à se rejoindre. Ou alors, ou alors c'est parce que sur le workshop. Je coupe le micro, j'arrive. Nous, vu qu'on les a sur Steam, les mods, tu sais, ils se mettent à jour automatiquement. Ah, mais si, tu passes aussi par Steam de toute façon dessus pour lancer ton jeu. Bah oui. Bah de toute façon, moi j'ai la version Steam, j'ai même pas la version CD de ETS. Ah ouais, donc non, donc. Je l'ai prise de l'année dernière, ça doit être au mois de. Oui, donc mars, non. Là, comme ça, donc. Il va falloir courtir tous les mods qu'on regarde et puis voir si c'est pas un mod. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'arrive à rejoindre Katia avec exactement la même liste de mods. Bah voilà. Je veux dire, on a essayé la dernière fois. Comment tout seul. On était à deux avec Katia. On n'a pas. Bah oui. Et on a regardé avec Katia nos configurations de. Comment d'ordinateur, c'est quasiment les mêmes. Ah oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Désolé, j'ai le chien qui fait des siennes, il y a de l'orage, il a peur. On n'y a rien à comprendre. Non, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il va falloir qu'on essaye de reprendre ça en main. Moi, j'ai un profil qui a été créé, je suis en niveau 1. Donc après, s'il faut, ben, on lancera. Ou alors, essayer sur le niveau 1, si on y arrive avec la liste de mode, essayer. Ou alors, c'est peut-être avec les sociétés qu'on a. Parce que c'est tout frais ce problème-là, parce que Pierre, tu l'avais pas ce problème-là à l'époque où on jouait. Non. Bah non. Mais est-ce que c'est. C'est il y a la semaine dernière, 15 jours. Et il y a longtemps que t'as mis les camions Westerstar à tes chauffeurs de la société. Ah oui, je les ai quasiment quand j'ai installé Farming. Écoutez, j'ai juste retéléchargé les mises à jour en cours de route. Salut Katia, comment tu vas? Ma patronne. Salut Katia. On a encore le même problème, hein, Katia. Pierre, il n'arrive pas à me rejoindre. Puis Maxou, il n'arrive pas à me rejoindre non plus. ETS, oui, il va falloir que. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça, Pierre. Un après-midi que tu es dispo, tu m'envoies un message dans la matinée. On essaie juste d'essayer de trouver ce qui fout le bazar. Et puis voir. Après, si on arrive à trouver ce qui fout le bazar, bah, ça ne sera que mieux pour la suite. Ah ouais? Non, mais Maxou, c'est pas qu'il arrive pas à te rejoindre. Il veut pas te rejoindre tout simplement parce qu'il est occupé avec Ginette. C'est tout. Alors, la météo, Valentin. Ce matin, quand je suis rentré, il y avait un peu de soleil. Après, j'ai un trou noir jusque midi. Début d'après-midi, il a fait soleil. Après, j'ai un trou noir jusqu'au repas du soir. Comment ça, t'as un trou noir? Qu'est-ce que t'as foutu, toi, pour avoir un trou noir? Je me suis assoupi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ce matin, je suis rentré à 9h, mais. Enfin, je suis rentré, il était 9h30. J'ai été m'allongé, mais j'avais dit à Vanessa de me réveiller pour manger à midi. Ah bah oui. Oui, Katia, ça se comprend. Hein. D'ailleurs, t'hésites pas, hein, si t'as besoin de quelque chose, je te l'ai dit. Hein. T'envoies un message ou s'il y a besoin, t'hésites pas. Ouais, et puis bah, après-midi, pendant un moment, j'étais dans le canapé. J'ai été prendre ma douche. Du coup, je me suis mis dans le canapé. Tu sais, j'ai mis une chaude couverture sur moi pour avoir bien chaud. Je pense que c'est l'erreur fatale d'après la douche. C'est d'habitude, j'aime bien aller prendre ma douche avant d'aller me coucher. Donc, bah, je me suis un petit peu endormi comme une boubouse dans le canapé. Ah, puis généralement, quoi, ouais, la douche, ça te détend un peu. Alors, du coup, derrière, bah, tu tombes plus vite comme une mouche, quoi. Ouais. Bon. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Moi, je fais comme Romain, je fais du foin. Ah non, Katia, c'est normal, attends. Ouais, après... La priorité, c'est la vie personnelle avant, puis le jeu, c'est après. Ouais. Ah bah oui, c'est surtout ça. Bon. À un moment donné, faut pas.
Ah, puis t'as l'impression, tu sais, quand il t'arrive une merde, comme on va dire, tu les enchaînes un petit peu. Ah, mais c'est l'hécatombe, nous, c'est ce qu'on disait une fois avec Katia. Nous, pendant 2 ans, on a eu le chat noir au-dessus de la tête. T'as une période noire, t'as une merde qui te tombe sur le coin du nez, ça ah, s'enchaîne, ouais. Ça s'enchaîne, tu dis, est-ce qu'un jour ça va se terminer? Mais bon. On en parlait avec Katia la dernière fois aussi, et nous, ça a été sur 2 ans. Il y a eu des merdes. Après, tu sais plus quoi faire, tu es toujours en train d'appréhender, est-ce que demain ça va bien se passer, est-ce que tu vas pas être embêté demain, ici et ça. C'est chiant, franchement c'est chiant. Bon, je me mets à sa place. Là, je peux me mettre à sa place, je sais ce que c'est. Donc, ça a été la belle-mère, ça a été la belle-sœur, ça a été le beau-père. Ah, moi j'en Sonia, vois. Moi. Enfin, non, j'en vois régulièrement. Bon, bonsoir, Madame Nessor. Bonsoir, Madame Nessa. Madame Nessa, Salut Nessa. Qui reçoit ses courriers à son nom de jeune fille et que la factrice ne veut pas me donner. Non. Si, son permis. Vendredi. Ah, c'est au nom de jeune fille? Ouais, vendredi dernier. Là, t'as l'arrive, j'ai un courrier pour Madame ouais, Tartampion Vanessa. Ouais. Et oui, je fais, c'est ma femme, je vais le prendre, je fais, c'est son permis. Ah non, non, je ne le remettrai qu'à Madame Tartampion. Ah là, j'ai dit, alors déjà, c'est pas Madame Tartampion, on est mariés. Bah, donc, oui. C'est plus si, dans ces cas-là, c'est mademoiselle, parce que si vous dites madame, c'est son nom marital. J'ai puis, je suis son. Bonsoir Thomas, comment tu vas? Salut Thomas. Elle a jamais voulu me le donner. Hein. Dragon. C'était une tchotte jeune, elle a jamais voulu me le donner. Ça aurait été la factrice habituelle, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, c'est juste parce que t'as pas voulu y passer dessus. Oh non. Bah, il y a des gens qui sont là. Non. Si, hein. Elle a déjà vu assez de personnes timbrées comme ça. Ça tombe, t'aurais pas dit marié, elle aurait dit oui. Ah oui, mais non, 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 non. Non, 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 non. Peut-être pour ça, elle a vu l'alliance, elle a fait la tronche. Ah bah, je préfère qu'elle fasse la tronche. Je l'ai dit, je sais pas comment il y en a qui font pour prendre des maîtresses. Parce que quand t'en as une. Hein. C'est déjà assez le bazar comme ça. Et il y en a, ils arrivent à en prendre 3, 4. Ouais, mais... une femme, une maîtresse, et ça me va bien. Et Sonia, à l'inverse, elle a une femme, elle a un homme et un amant. Thomas, tu feras une petite capture du passage, on l'enverra à Sonia. Bon, elle le sait. Bon, elle le sait, je connais son amant en plus. Bah, je le sais, c'est Lilique et puis Jean-Louis. Ah non, ça, c'est pas déclaré, ça. L'amant et la maîtresse déclarée. C'est marié femme aussi, donc tu vois, on est pas embêté. Au moins, quand il y en a un qui est absent, l'autre, on sait où c'est qu'il est. Ah oui, ouais, mais bon. Non, mais. Ouais, du coup, la factrice, elle m'avait gonflé. En plus, quelques jours avant. Ouais, c'est la semaine d'avant. Elle va chercher. Alors, je travaillais pas le mercredi, j'étais à la maison. Elle rentre du travail, donc il était 1h. J'allais partir emmener Sacha à l'orthophoniste. Elle me dit, le facteur, il est passé, j'ai l'avis de passage dans la boîte aux lettres. Je fais, j'ai pas bougé de la journée. Alors déjà imagine. Hein. T'as l'avis de passage alors que j'étais présent. Ils ont plus envie de s'embêter maintenant. Non, mais ils s'embêtent plus maintenant. Mais tu tombes sur une femme, Fredo, qui est jalouse. Elle va te dire, t'étais pas à la maison, t'étais où? Bah non, j'étais à la maison. Moi, t'arrêtes de mentir, j'ai l'avis de passage, t'étais pas là. T'imagines le bazar que ça peut mettre. Donc je lui dis, j'étais là en plus. Bon, ça va, il y avait les enfants en plus, donc. Ouais. Elle me dit, bon, bah c'est pas grave, l'après-midi, on allait faire les courses. Elle me dit, dans ces cas-là, on va aller jusqu'à la poste. Chercher. Voilà. Elle arrive à la poste pour aller chercher. Sauf que là, exceptionnellement, ils avaient mis le courrier au nom de Madame Lefebvre. Il lui fallait sa carte d'identité, mais sa carte d'identité est à son nom de jeune fille. Oh, bordel. Eh ben, ils ont jamais voulu lui donner. Il a fallu qu'elle y retourne le lendemain avec le livret de famille. J'aurais bien voulu être la petite souris pour voir l'état de Nessa après. Ah bah déjà... Là, ils ont dû prendre tous les noms. Non, non, mais déjà, quand elle est rentrée en la voiture, elle était pas contente, et moi non plus, quoi. Ah ouais, non, alors, mais... ils passent, ils savent pas te déposer le courrier, ils te pètent des avis de passage dans la boîte aux lettres, et quand tu vois, il y a toujours quelque chose qui va pas. Bah, regarde, nous, bon, à l'époque, on était à l'appartement encore, on était encore au 4e étage à l'ascenseur. Et on avait l'habitude avec une factrice. Toujours pareil, hein, une petite dame super sympa. Puis du jour au lendemain, ça a changé. Moi, je te dis pas le bordel. Oh,
et ben même si t'as l'auto, parce qu'il connaissait l'auto, hein, il savait qu'il était la bagnole. Hein. Même si l'auto était là, bah non, il faisait avis de passage et démerde-toi avec ton bordel. Alors qu'on a celle qui distribue le courrier habituellement, hein. La factrice habituelle, avec elle, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais là, ça sera terminé maintenant, ils vont plus s'embêter. Hein. Ils vont plus s'embêter. Hein. Puis j'ai dit à Sonia, je dis maintenant, ils veulent pas faire d'efforts, bah, qu'ils se pointent pas avec le calendrier parce qu'ils vont le prendre dans la tronche. Ah, moi, j'avais dit à Sonia, j'ai dit, si sont abrutis à ce point-là, bah, moi, leur truc, je le prends pas. Nous, le seul à qui on prend le calendrier, c'est les pompiers. Manière, maintenant, je crois qu'ils le font plus, les facteurs au calendrier. Non, les facteurs, ils le font plus. T'as plus que la poste et les éboueurs, normalement, maintenant. Oh, mais les éboueurs, ils viennent pas. Hein. Nous, il y a que les pompiers qui viennent ici. Attends, puis les éboueurs, je suis désolé, tu payes une taxe poubelle à l'année et tout. Puis plus ça va, plus on durcit les choses. Hein? Donc, non. Nous, on prend que aux pompiers. C'est bon, comme on dit, c'est un service. Hein. Alors, tu vas leur prendre le calendrier, bon, il se passe rien, tu vas te dire, bon, bah... Voilà. Et c'est vrai que le jour où t'as vraiment un souci, que t'as besoin d'eux, t'es bien content qu'ils soient là. Ah oui. Donc, du coup, avec Vanessa, on dit, non, on prend que aux pompiers. Après, vois, les autres... Là, c'est pareil, là, maintenant, la loi, elle va passer, ou elle est passée, mais elle n'est pas encore obligatoire à 100% pour avoir des... pour les déchets verts, tu sais. Pour ouais, les... Ouais. Pas les déchets verts, mais les composteurs. Ah, les composteurs, ouais. Ouais. Et Sonia, bah, ma voisine, elle l'a fait, elle a été l'acheter. Et puis, je dis à ma voisine, combien ça coûte du coup ? Elle me dit 25 euros. Je dis, hein ? J'ai été voir la tronche du composteur, c'est du PVC, tu sais. Bah oui, bah ouais, maintenant tu trouveras que ça. Hein. T'as combien de litres aussi ? Ah, je sais pas. Et je dis à Sonia, je vais pas m'embêter, moi, je vais me faire maison avec mes planches. C'est qui ça ? Attends, il y a quelqu'un qui a trouvé un lien, je sais pas qui c'est. Et j'ai pas le nom qui s'affiche, j'attends de voir. GG. Ah oh, putain, c'est Vanessa de m'a fait peur. Merci, ma chérie. Ah là, bah oui, parce que j'avais dit qu'il fallait qu'elle fasse l'essai. Donc je me suis demandé quoi. Bah, au nom qui est affiché. Hein. Au nom qui est affiché. Hein. Je sais que c'est toi. Elle m'a fait peur. Ah, bon, ouais, c'est Vanessa. Oui, c'est un petit truc. Ah bon ? C'est un petit truc. Ah bon ? C'est un manga qu'elle aime bien regarder. Elle aime bien, bien One Piece. Et son personnage préféré dedans, c'est Boa Hancock. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu le nom, je savais que. Et le nom s'affiche. Mais par contre, t'as vu, moi, il s'affiche tard. Comme ça, Boa, c'est ça. D'accord. Ah, bah c'est le personnage qu'elle a sur son rond avec son nom. C'est ce personnage-là. Bon, après, c'est dans les mangas. Hein. C'est... Ça fait des belles jeunes filles avec des grosses tototes. Bah, il n'est pas possible, celui-là. Bah, dans tous les mangas, c'est comme ça. J'y regarde... Une fois, elle me dit, tiens, donc le manga Karga, elle me dit, tiens, tu vas le regarder. Donc, tu regardes les premières saisons. Les demoiselles, elles sont normales. Et au bout d'un moment, tu sais pas ce qui s'est passé dans la tête du dessinateur. La saison d'après, merci elles ont... Merci. Il s'est... Oh, il... Ton micro qui coupe. Non. Il y a encore quelqu'un qui s'est lâché, je sais pas qui c'est. Qui c'est qui a été trouvé le lien? Fredo, il rigole. Oh, moi, j'ai rien fait, moi. Oh, pour moi. Ouais, chaleur. C'est qui, Fredo? GG, Fredo. Merci. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, si, c'est toi. Bah non, c'est pas moi. Ah, c'est Sonia? Bah non, Sonia, elle est en bois, elle regarde la télé, elle est en train de calmer le chien. Si, ça doit être toi. Vu le pseudo, ça doit être toi. Ne faites pas peur comme ça. Et franchement, c'est vrai j'aime que... J'aime pas utiliser Wesh, alors ça va pas être moi. Alors, quand ça arrive aux autres, c'est très, 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 très drôle. Quand ça t'arrive à toi, ça y est beaucoup. Ah, ça, on n'a pas l'habitude hein, quand ça nous tombe dessus. Ouais, non. Ah, ça, ouais, c'est moins bien. Le coup que je l'ai fait à Katia, elle se demandait ce qui lui arrivait. Bah oui, tu te demandes quoi. Puis en plus, tu sais, nous dans le cas, enfin moi j'ai la notification avant qu'elle apparaisse, vu que t'as un décalage. Oui. Donc, tu te demandes quoi, tu regardes du coin de l'œil, tu te dis c'est qui, c'est quoi, c'est...
Ouais, c'est vrai que c'est désagréable. Je comprends qu'il y en ait qui tombent en PLS des fois. Non, puis moi, wesh alors, j'aime pas les mots wesh, alors c'est pas moi qui vais le faire. Moi, je le saurai, hein. Tu le sauras, ouais. Bah oui, je vais avoir la notification après, mais je pense que ça doit être toi, Fredo. Traumatise-toi pas avec ça. Fredo, j'ai eu la Quoi? notification sur le téléphone. Ah ouais? Oui. Eh ben, c'est pas moi. Si, si, Ah, Fredo, c'est toi. non, c'est pas moi. Il y en a plusieurs des Fredo. Oui, j'ai le nom à derrière. Hein, parce que je Mais vais j'ai un pas donner jumeau. ton nom en live. Hein. J'ai un jumeau. Oui, bien sûr. Ah, je comprends que c'est désagréable. Oui, si. Je comprends qu'il y a des fois, il y en a certains, ils tombent en PLS. On peut même pas la faire discrète. Non, c'est ça. Tu vois, on est toujours repéré, Bah, mais ça. c'est parce que t'as mis Bauer, hein. Donc je Ah savais que bah. c'était toi. Fredo, c'est pareil. Vu le pseudo qu'il avait mis, je me doutais bien que c'était Fredo. Bah, la prochaine fois, tu sauras pas que c'est moi, je te le dis. T'es pas prêt la prochaine fois, Non, mec. mais tu sais, après, je peux le retirer, le lien, hein, Fredo. Hein. Ah bah non, moi je peux. Bah là, tu peux le retirer, mais moi j'aurai toujours. Pourquoi? Moi il est enregistré. Ah merde. Ah Ah oui. non. Ah, mais non, Ah non, si. non, non, non. Mais c'est Ah vrai si. que je comprends. Parce que. Et par contre, moi, j'arrive pas à mettre la notification de ça avec le nom au moment où j'ai la notification. T'as vu, elle arrive un petit peu après. C'est un réglage à faire, je crois. Faut voir avec si Katia sait faire ou Pierre il sait faire. C'est où tu demanderas à Romain. Je crois que Katia Ouh. sait faire. C'est juste un réglage de quelques secondes, je Non, mais crois. bon, après c'est pas grave, tu sais, j'ai la notification avec le son et après j'ai le nom qui arrive. Voilà, si un jour il y a quelqu'un qui va. Ah, Valentine marque qu'il adore One Piece, Vanessa. Si un jour il y en a un qui me met en PLS, à moi ça sera pas comme certains. Moi le live il va se couper. Oh. Ah ouais, non. Petit À ce joueur. point-là. Bah, c'est gênant, franchement. C'est vrai que quand tu vois que ça arrive aux autres, tu sais que t'es spectateur, tu rigoles bien. Mais c'est gênant. Petit joueur. Ah. Moi, il y en a un, il sait ce que ça fait quand il met une PLS. Bah, je peux dire que je ne la ramène pas trop près. Ah bah, il y en a. Bah, Il y en a un, c'est un roi pour ça. Il est sur le live, normalement. Oui, c'est Ouais, pour. oui. Non, non, mais non, non, il n'a pas le droit. Non, 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 non. Alors, déjà que. Alors, pour récupérer mon PayPal, ça a été un grand moment. Préparez-vous à tourner à Parce que gauche. Ah, Vanessa. c'est long à le prendre. Hein. Non! Mon PayPal, il est vieux, mon PayPal, il a 5 ans. Vanessa, elle avait créé un PayPal il y a 5 ans. Et donc, à son nom, avec mon adresse mail. D'accord. Donc, quand déjà j'ai voulu le récupérer, c'était son numéro de téléphone et tout, c'était un grand moment. J'ai réussi à récupérer tout, mais alors pour changer le nom, faut que tu envoies maintenant ta carte d'identité et tout. Ah oui, maintenant, ouais, il y a tellement de choses que, ouais. Ah ouais, c'était un grand moment, j'ai réussi à récupérer. Donc après, je sais que c'est pas un PayPal qui est tout jeune, c'est pas un PayPal qui a été créé. Mais bon, voilà Bah, quoi. comme toi, il est pas jeune, quoi. Oui, voilà. C'était au temps où on faisait des ventes sur un site entre particuliers. On passait beaucoup par PayPal. Bah c'est bientôt il va nous dévoiler certaines choses qu'on ne voyait pas de lui. Oui, et ben c'est ça, c'est quand on achetait sur eBay. Ah, il dit qu'il adore Luffy, Nico Robin, Marie. Alors Marie, je sais pas qui c'est. Tu m'excuseras, Valentin, c'est plus Madame qui est sur One Piece, moi. Je connais même pas moi One Piece. J'ai déjà regardé, mais j'ai pas approfondi plus que ça. Moi je suis resté basé sur Nicky Larson, Dragon Ball Z, tu vois. Ouais. Ah, Non, moi je après. suis plus Naruto. Non, Ouais. moi après, ce qu'il y a de bien, c'est ce que je fais, c'est que Vanessa, elle a des figurines aussi. Donc je lui achète des figurines, mais moi je lui achète que des filles. Voilà, comme ça tu peux tripoter les tétons, bravo. Ah.
Ah non, il y en a, franchement, ça, ouais, elle a une vitrine, elle est quasiment complète. Hein. Bon, on va refaire un petit trajet. Qu'est-ce qu'on a de disponible à Brest? Il y en a, ils sont, sont fans des mangas, il y en a, ils sont fans des talons aiguilles. Non, t'as pas compris, Fredo. C'est que les soirs où Vanessa dit « Non, j'ai mal à la tête, tu te débrouilles avec ta cinquième main. » Ah ouais, d'accord. Tu as coupé. Non, 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 il n'y a pas de ça, non, mais espèce de gros cochon. Ah, Bordeaux, j'ai pas encore fait. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai rien dit. Tiens, regarde, on va aller transporter du lait de soja et une nouvelle destination. Ah, tu vas aller transporter chez les vegans? Ouais. Ah, moi, je suis en train de faire du foin, là. Tout au volant, bah, je te dis que c'est pas de mal la veille que je vais m'en sortir. Ah oh ben, cette nuit, je me suis connecté sur la partie. Mmh. J'ai téléchargé le godet pour les pierres de 600 litres. J'ai fait toute la nuit des pierres dans deux champs. Adieu. Tout godet. Après, tu regarderas sur la partie. C'est un mode crossplay, mais il est sur le mode up pour les pierres. C'est des, tu sais, c'est comme des fourches. Oui, ben c'est ça, c'est un godet exprès. Ah, c'est ça que t'as pris? Ouais, j'en ai trouvé un, il fait 600 litres, j'avais trouvé le réglage pour qu'il soit à la bonne hauteur, pour le mettre sur le chargeur avant. Prenez la deuxième sortie. Ouais. Et ça allait tout seul. Hein. Bon, sur le chargeur avant, moi je mets plus maintenant. Oh, si. Mais ça va bien aussi, ça va bien aussi, mais c'est sur ma partie solo que j'ai ça. Je suis arrivé avec ma petite benne Le Bouche, là, un essieu. Je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'avais pris mon petit 1455, je ramasse mes pierres tranquilles, je mets tout dedans. J'ai été tout mettre à l'usine de chaux. Je sais pas si tu te souviens, Pierre, le champ que j'ai broyé qui était en tournesol, qu'on avait passé le culti. Oui, peut-être bien, ouais. Je l'ai semé en blé. Ouais. Parce qu'après le tournesol, c'était du blé. On avait discuté. Oui. Et le deuxième que j'avais labouré, j'ai été mettre le couvert végétal dessus. Ah, donc là, betterave ou orge ou maïs. Je sais plus, je crois que c'était maïs, mais je ne sais plus, il faudra que je vérifie sur... C'était quoi avant? C'était quoi le labo? C'était du soja. Soja. Pas de maïs et de l'oléagineux. De l'orge ou des betteraves? Je crois que c'était les betteraves. Je crois que c'était betterave parce qu'après on est sur le cycle betterave et après les... Non, c'est labouré, c'est pas betterave. Je ne sais plus. Tu peux semer les betteraves sur du labour. Des boucles d'oreilles de... Oui, mais non, parce qu'après les betteraves, c'est 3 années de... d'herbe. Oh, les pop, c'est un des gamins à Kachok qui a des pop. Les pop, c'est les petites figurines là que tu mets dans une vitrine aussi. Mmh. Ouais, gamin Katia, je sais plus ce qu'il c'est comme pop qu'il a. Je sais pas si c'est Naruto ou je sais plus quoi, ce qu'elle disait Katia. Ah bah alors là, si elle a trouvé quelqu'un dans le chat avec qui discuter de One Piece, je suis tranquille. Hein. Je suis tranquille, 8000. Elle a trouvé quelqu'un avec qui papoter. Oh bah, tu regardes, ça discute. Ah ouais. Au début, elle aimait pas les pop. Puis un jour, elle en a acheté un. Oh, puis si, finalement. Puis ben, de temps en temps, ben, nous, après, c'est vrai qu'on a l'avantage, c'est qu'à Maubeuge, donc pas trop loin d'ici, j'ai Maubeuge comme ville. Il y a un magasin, tu sais, avec un et puis un petit oiseau à l'ouvroile. Et ils ont un rayon gaming et un rayon comme ça avec des figurines. Franchement, pour un grand magasin, joli. Hein. Chacun son rayon, quoi. Toi dans le gaming et puis madame dans le rayon des... Ouais. Et l'avantage, c'est que quand tu sors de cette enseigne-là, t'as les Furets du Nord, c'est une librairie. Mm-hmm. Donc ils font aussi quelques figurines, mais bon, pas beaucoup, et les mangas surtout. Et après, dans la galerie, elle a un magasin qui est que avec ça, c'est Shop for Geek. Et dedans, il y a toutes les figurines et tout. Elle peut les commander sur Internet. Ils ont un site Internet et les faire arriver là-bas. C'est pas dans les galeries d'étape? T'avais un magasin comme ça dans les galeries d'étape à Reims? Ah, je sais pas, mais là, je sais que c'est à Louvroil. Ouais. Et ouais, non. En plus, ils sont sympas et tout.
Donc bah régulièrement, une fois par mois, on essaye d'y aller. Et puis bah Vanessa, c'est un petit budget. Bon là, elle va pas le faire là, parce qu'elle a prévu avec son neveu, c'est au mois de mai ou au mois de juin, d'aller à une convention sur Reims. Prenez la deuxième sortie. Comment ça, on fait le manga? Ouais, Non, c'est convention. au mois de octobre. Ah, c'est au mois d'octobre, ça va, tu vas avoir un beau budget. Alors du coup, comme il y a une convention à Reims, elle a prévu d'y aller. Ah bah tout déguisé manga et tout alors du coup parce que les conventions comme Non, ça ah non, généralement ils t'es pas sont. obligé, toi t'es pas obligé de te déguiser, hein. Ouais, bon, J'ai tant que mon c'est ancien payant. chef quand je travaillais en magasin, il était fan aussi de tout ça. Et une fois, il me dit, il a été à une convention en Belgique avec son fils, il m'avait montré la photo. Ils avaient pris une photo avec une fille qui s'était déguisée en un personnage de One Piece. Et la gonzesse, elle avait du monde au balcon. Tu vois sur la photo que le fils de mon ancien chef, il louche sur son décolleté. C'est son âge, faut qu'il profite. Ah bah oui, Tournez à il gauche. avait quel âge? 16 ans? Ça se trouve, il se dira sûrement un jour, j'aurai jamais une copine avec des Ouais. balcons comme ça. Donc, Ah, il s'est dit, si j'avais su, j'aurais touché. Ce fut une Mais belle ouais, non, soirée. non. Bon, après. Je sais pas, est-ce que Vanessa va y aller avec Romain ou pas? Je ne sais pas. On Moi, je vais verra bien. investir. Je vais investir du matos, moi. Oh, sinon, Fredo, j'ai une cargaison en Grande-Bretagne, si tu veux. Ça te dit Ouais, pas? c'est bien. Non, Hein? toujours pas. Oh, j'aime bien l'Angleterre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, je vais faire 3-4 cargaisons ce soir. Après, je prends des cargaisons, pas des trop Cours. grosses distances, comme ça, c'est plus agréable. Ça va plus vite. Ouais. Ça va plus vite et puis c'est plus agréable aussi à regarder. Parce que tu varies. Bon, après, Non, mais j'aime bien faire comme ça et puis montrer la cargaison, mais là, je vais montrer une j'ai vu remorque verte. sur Amazon, là, j'ai vu que il y avait ce que je veux comme matériel pour faire des belles petites choses. Là, je vais investir un tour à bois. Ah ouais. Un mètre de travail. Donc, ça va en débiter des pièces. 200 euros. Tournez à droite. Ah oui, ouais, ça va, c'est pas encore trop cher. Après, Tournez à droite. pour 200, t'as que la machine. Puis tournez à Ah gauche. bah oui, après, Après, il il faut que tu faut achètes les couteaux et les les ciseaux à bois et tout ça, faut que ça s'achète à part, hein. ciseaux spécifiques, ça fait un budget à 230. Ah bah. 230, 250. Ah, il s'est pas donné les ciseaux à bois. Puis après, j'ai un pote, il va m'apprendre à travailler l'époxy. Comme ça, Ah après, oui. je vais me mettre à travailler, à faire des lampes en époxy et Par tout ça, contre, avec des si couleurs tu bien travailles régulières. l'époxy autour à bois, t'as intérêt à porter un masque. Ouais, oh, ça, j'ai ce qu'il faut. Parce que c'est dangereux. Masque, lunettes, ouais, masque, lunettes. J'ai l'avantage du tour à bois juste pour travailler du bois. Après, les copeaux, tu peux t'en servir pour fumer le jambon, pour fumer la viande. Vu que c'est pas que du bois de palette que tu fais, j'aurais plus qu'à trouver des belles pièces de bois pour travailler et puis faire des jolis petits trucs, des vases et tout ça. Prenez la deuxième Ouais, mais sortie. après, tu sais, quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour aller couper un arbre ou quelque chose, si tu arrives à le récupérer, Ah oui. oui, c'est là Tout après. dépend de l'essence que c'est. Oui, voilà. Si c'est du boulot, ça part au barbecue. Si c'est du chêne ou autre, là par contre, oui, ça va. Y a un truc que tu as dû connaître, Fredo. Parce que vu que toi, tu es du Pas-de-Calais, après, je sais que nous, beaucoup, le Nord, je sais que ça se fait, les boules en bois. Pour quel usage? Comme les boules de pétanque, mais dans le temps, avant qu'ils soient en acier, tu avais des boules en bois. Ouais, peut-être, ouais. Et ça, si un jour tu arrives à récupérer du buis, Ouais. il faut réussir à savoir c'est quel diamètre tu tournes des boules en bois en buis. Ah, C'est c'est très, du buis les boules à la base? très, 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 très recherché en buis. Parce que c'est Je très, sais très dur. que le buis, je sais que c'est cher à l'achat, le bois de buis déjà. Et C'est très cher à les l'achat. boules en bois, à la base, ils étaient faites en buis. D'accord. Et c'est très recherché. Après, il faut C'est connaître un les peu. dix. C'est impressionnant, ils avaient fait un reportage sur rayon bricolage et tout. C'est impressionnant. L'année dernière, ça s'est cassé la margoulette au niveau des achats pour le bricolage.
Et là, début 2024, ils disent. Alors, Sonia dit oui. Enfin, nous, pour l'instant, on ne le sent pas trop sur le magasin, mais. Le rayon bricolage, il a pris, ils prennent des claques phénoménales dans tous les magasins depuis quelques mois. Ben, c'est parce que ce qui s'est passé, Fredo, c'est qu'ils reviennent il y a deux ans, trois ans en arrière. Mais ce qu'ils se mettent pas en tête, c'est qu'il y a deux, trois ans, t'avais le confinement. Ouais. Tu pouvais aller dans les magasins de bricolage. Ben, les gens, ils en ont profité, ils étaient confinés chez eux. Bah, ils marquaient qu'ils allaient faire des courses, ils passaient au magasin de bricolage, ils allaient chercher ce qu'il fallait, ils repesaient les peintures chez eux, des trucs comme ça, ils ont aménagé les extérieurs et tout. Mais là, maintenant, les gens reprennent le travail. Bah, les aménagements extérieurs, il y en a beaucoup qui ont laissé tomber. Et puis, une fois que tu as repeint ta salle à manger, tu vas pas la repeindre chaque année. Hein. Ah, bah non. Mais là, c'est vrai que les gens, il y a eu un boom pendant le confinement parce que les gens, ils en ont profité. Ils étaient chez eux, ils avaient rien à faire. Ils étaient fermés chez eux, au lieu de regarder la télé toute la journée. C'est, mais là, moi, apparemment, ça remonte, là. Le bricolage, ça remonte, là. Bah, ah, mais attends, hey, pendant un temps, t'as vu les prix qu'il y avait aussi? Ouais, les prix, c'est surtout à cause des prix. Bah, l'année après le confinement, ça a pris une claque, hein. Bah, le bassin de 4 mètres, à 45 euros, il est monté. Ouais, oui, hein. L'année après le confinement. Donc forcément que l'année dernière, les gens, ils ont pas fait de bricolage, hein, quand tu vois les prix que ça... Ça faisait, hein. C'est logique moi, aussi, hein. Moi, je sais que pendant le confinement, c'est quand je suis revenu de ma dépression. C'est joli ici. Après le confinement, je suis revenu au boulot. Puis, bah, quand t'as une dépression, t'es resté un certain temps à la maison, t'es obligé de passer par le médecin du travail. Puis le médecin du travail, il me regarde, il me dit, alors, comment que ça s'est passé le confinement? Et je dis, le quoi? Le confinement? Je dis, c'est quoi ça? Bah, il dit, monsieur, on a été confiné pendant un mois et demi. Je dis, ah bon? Bon, je suis pas au courant, tu sais. Ben, il comprenait pas. Ben, il dit, pendant un mois et demi, vous avez pas travaillé. Ben, je dis non, j'étais en dépression, tout ça. Ouais. Il dit, mais on était confinés pour le Covid et tout. Je dis, ah bon? Ah, je dis, c'était pas les vacances annuelles. Oh, je dis, moi, je sais pas. Moi, je dis, oh, d'accord, ok. Et il dit, vous avez fait quoi? Ben, j'attendais, je sais pas, je vais vous sortir les photos. Il me dit, c'est tout ça, c'est vous qui l'avez fait? Ben, je dis, ouais. Je dis, t'as pas le droit de sortir si tu sors avec un masque. Il faut avoir des papiers pour justifier d'où c'est que tu vas. Bah, je dis, je préfère rester dans mon garage avec ma musique, ma bouteille d'eau, mes clopes et puis bricoler. Et encore, Fredo, toi, comme tu dis, mais en tant que, je vais dire ça comme ça, en tant que citoyen lambda, vous aviez votre attestation pour aller faire des courses. Moi, je travaillais en magasin. Il me fallait mon attestation de mon employeur, mon attestation que je faisais. Il fallait que j'ai mon planning pour justifier. Donc, ça, on l'a eu pendant une quinzaine de jours, l'attestation employeur, on n'avait pas le choix de la déplacer parce que ils avaient l'impression que ça revienne à force double et qu'ils ne voulaient pas. Pardon, ça, donc ça, nous on l'a eu aussi. Nous. Ah ouais, c'était une catastrophe. Hein. Et je me souviendrai toujours, un jour, Vanessa, elle va faire des courses. Parce que j'ai l'avantage, c'est que j'habite à 300 mètres. J'ai une grande surface. Ouais, donc pour elle, au moins à l'époque, vu qu'elle n'avait pas le permis, c'était tranquille. Ouais. Elle fait une attestation, puis sa sœur, elle nous avait appelé 2-3 jours avant pour nous dire qu'ils avaient le Covid. Du coup, elle appelle sa sœur, elle lui dit, elle fait, écoute, est-ce qu'il te faut quelque chose? Du coup, sa sœur, elle lui fait une petite liste de courses. Vanessa, elle dit, écoute, je vais y aller, je vais t'avancer l'argent, je te mettrai le ticket de caisse, puis quand ça ira mieux, tu me rembourseras. Elle va faire, donc Vanessa va faire les courses. Et elle passe chez sa sœur, parce que c'est sur la route, c'est à 150 mètres. Ouais. Elle s'arrête chez sa sœur, c'est un petit appartement, il y a deux étages. Elle monte au deuxième, elle dépose les courses à sa sœur. Mais quand elle a tourné pour aller chez sa sœur, les gendarmes, ils sont passés. Ah ouais. Ils étaient au rond-point. Quand après, elle est repassée avec sa charrette de course, qu'elle avait une chute charrette, tu sais, tu tires comme les anciens. Ouais. Quand ils l'ont vu arriver avec ça, elle est tombée sur un tueur jeune qui la contrôle. Bonjour madame, vous faites quoi? Elle lui répond, bah, j'ai été faire des courses. Il lui répond, vous êtes sûr? Elle l'a regardé, elle fait, non, non, j'ai mis mes surgelés, je suis en train de les promener, je leur fais faire le tour du quartier. Heureusement qu'il y avait un ancien qui était là, parce que sinon elle prenait un outrage à agent. Hein. L'ancien, elle a dit, non, non, c'est bon, on laisse tomber. Il y aurait eu que le jeune, elle prenait un outrage à agent. Hein. Ah, oh bah ouais, mais bon, après, le problème c'est que la question elle est débile aussi, tu m'excuses.
En plus, c'est justifié. La gendarmerie de Manon, ça n'a plus rien à voir avec la gendarmerie d'époque. Hein. Ah bah non. Ouais, mais... Excuse-moi du terme, de vrais abrutis. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont profité. Oui. Ah oui, aussi, oui, on est d'accord, oui. À force, ben... Parce que là, le truc qu'il y a, c'est que le jeune, il lui dit, bah, on vous a vu sortir juste avant du petit lotissement qui est là. Vanessa, elle dit, c'est normal, elle dit, ma soeur, elle y habite, elle est malade, elle a le Covid. Je passe devant chez elle, j'ai été faire des courses. On dit bien qu'une personne qui a le Covid, faut pas qu'elle sorte. Donc, qu'elle sorte. Voilà, elle avait pas le droit de sortir vu qu'elle avait le Covid. Oui. Donc Vanessa dit, bah, j'ai appelé ma soeur, savoir s'il fallait des courses. Elle m'a fait la liste de courses et j'ai été déposer les courses devant sa porte. Mmh. Est-ce qu'il l'avait vu sortir de quelque part et puis savoir... Ah ouais, non, mais... Ah ouais, avec Olivier répond, bah non, j'ai été déposer mon kilo de shit chez mon fournisseur. Ah bah... Bah alors là, elle avait droit à la joie, là. Ah bah, déjà là, elle était à deux doigts, parce que le tout jeune, il l'a très 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 mal pris. Bah, c'est comme là, le frangin... La prochaine fois, elle dit « Non, j'étais chercher l'uniforme à mon mari, il travaille dans votre caserne. » Oh bah, non, c'est bon. Bah quoi, c'est t'étais bon, gendarme, c'est... Hein. Ah ouais. Ouais, mais bon... Non, on va pas faire... Oh, ça discute tranquille sur le chat. Ouais, ils discutent One Piece, c'est bien, ça anime le chat, c'est très bien. Ouais. D'ailleurs, je vais aller regarder sur le téléphone en actualisant la page, parce que c'est super en ce moment, YouTube. Parce que... Bah, parce que tu vois rien du tout, tu sais pas ce qu'il en est. Ah non, puis t'actualises, il y en a deux personnes qui actualisent en même temps, ils ont pas les mêmes chiffres. Oui. Comme ça, c'est encore mieux. Hop, là, je suis en direct. Merci aux 7 visionnages et aux 9 pouces. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui actualise, il a pas la même chose. Ah bah attends, bouge pas, je vais le faire. Voilà. Sans rentrer dans les... J'ai 9 pour l'instant, bouge pas, je vais te dire ça. Moi, je sais que c'est le frangin l'année dernière, je crois. L'année dernière, le frangin, il chope le Covid et puis je l'appelle parce que je savais qu'il était malade. 8 et 9, j'ai la même chose. J'ai 8 et 9 pouces. Ah oui, 8, je viens de reprendre un visionnage. Ouais. 8. Frangin, il a chopé le Covid et puis je l'appelle et je dis, bon, j'ai appris qu'il était malade. Je dis, t'as besoin de quelque chose, t'as besoin de course. J'ai dit, fais-moi un drive et puis je vais te le chercher. Puis il me fait, non, qui dit, je vais y aller. J'écoute, on va pas jouer, je vais jouer carte sur table avec toi. Thomas. Ah oh, non. De toute façon, là, Charles, il n'y a que lui donc. Oui, non, Thomas, non. J'ai non, Thomas, merci, c'est Thomas, juste merci. Avant. Maintenant, t'es redescendu à 7 visionnages, mais tu sais qui c'était lui. Oh, punaise, non. Au début, alors, ce qui est terrible, c'est ça. C'est que j'ai le son, j'ai l'animation sur leur tour YouTube, et je regarde de l'autre il côté. Est flingué. Si... Il est flingué de rire. Je regarde sur OBS. Tu m'étonnes. Et sur OBS, je l'ai avant le nom. Quand j'ai vu Charles, non. Oh, merci Thomas, franchement, merci. GG mais... Thomas. Mais toi. Non. C'est bien Thomas, comme ça Mika va pas voir, il va pouvoir aller s'acheter des nouveaux caleçons One Piece. Ouais, ah bah là oui, non. Ah ouais, non. Et du coup, je dis bah au frangin, je dis écoute, il y a deux solutions qui se prêtent à toi. J'ai dit, c'est où tu me fais la commande? Je te livre tes courses. J'avais un des gamins avec moi. J'ai dit, sinon, t'as la mère qui vient une semaine avec toi à la maison. Ouais, non, bah attends, bouge pas, je vais faire le drive, puis tu me fais la livraison. Je crois que je vais la mère, elle était prête à passer une semaine chez lui avec le Covid derrière, quoi. Non, Thomas, non. Je crois que je vais changer le son parce qu'il est, violent. Quand tu l'as dans les oreilles, il est violent. Non. On peut vous amuser à ça. Gardez-les. Il y a des personnes, c'est plus drôle à les faire chez eux. Non, mais c'est vrai que c'est plus drôle chez les autres. C'est moins drôle. Ah ouais, non. T'as de la chance parce que... Bref. Au début, quand j'ai eu la notification, je me suis retourné tout de suite dire Vanessa.
qu'elle te regarde, qu'elle fait « Oh non, c'est pas moi !» Donc j'ai cru que ça allait être, tu sais, un nom de Vanessa, tu sais, qu'elle allait s'afficher. Mais là, quand j'ai vu Charles, non, Thomas, franchement, un grand merci à toi. Mais faut pas. Thomas, il a une nouvelle victime, moi, ça me va, je suis tranquille. Non. Ah. Non, mais Thomas, demain soir, il y a Fredo qui live. Non, lâche-moi la grappe. Sois gentil demain, Thomas, fais pas de bêtises. Non. Tu vas être fatigué, de toute manière, demain, tu vas tout oublier. Tu vas même oublier le numéro de ta carte. Tu vas oublier même le numéro de ta carte bleue. Toi, va voir Gilles. Non. Après, Thomas, non, franchement, garde tes sous, hein, mais. Franchement, ça fait. C'est. Ça y est, bégaye. Mais. Bah, ce qui est terrible, tu sais, c'est que ça a été crescendo. Donc, je crois que je vais finir le transport, puis je vais couper. Non, mais. Ah, ça fait bizarre, quand tu te prends l'alerte dans les niflettes et puis que t'es en live. Hein, ça fait drôle. Hein. Puis, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'alerte, mais je te dis, il faut que j'essaye de demander. J'essaierai de demander à Romain ou comment je peux faire, tu sais, pour l'avoir vraiment, tu sais, que le nom il s'affiche en dessous tout de suite. Parce que moi, il s'affiche après. Il a été plus soudain que ça. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est même déjà trop. Non. Moi, je trouve qu'il a été gentil, hein, Pépère. Ouais. Enfin, il a été plus brutal que ça. Hein. Il y a eu des gros suppos. Il y a eu plusieurs gros suppos à plusieurs reprises. Il s'agit de rien. Non. Non. Ah, tiens, Pan, allez. Thomas, non. Merci, Thomas. Merci, mais non. Allez, non. Tiens, prends le suppos. Allez. T'occupe pas, Romain. Laisse ton père tranquille, Romain. Laisse-le se remettre de ses émotions. Ah, faut pas faire ça. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. GG, Thomas. Oui. Ça, c'est pour les couches. Ça, pour que... C'est pas ça, bien, c'est Thomas. Oui, c'est pas bien, Thomas. GG, Thomas. C'est pas bien. Non, c'est bien, Thomas. T'as raison. Non. Fredo... C'est bien. C'est bien. Non. Non, tu vois, c'est terrible parce que tu sais pas quoi dire à la personne. Non, mais je crois que je vais pas streamer demain soir, moi. je crois que le prochain stream, je vais peut-être pas faire d'annonce ni de miniature. Je suis à l'arrache. Ouais, mais hey, tu sais qu'on a... certains ont les notifications et tu sais qu'on communique tous ensemble. Bah. Mm. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas prendre le slibar quand même. Non. Ah, si. Non. Non, mais c'est vrai que franchement, quand je faisais pas de vidéo, que je regardais chez les autres, c'est très marrant chez les autres. Mmh. Ouais, chez les autres. Mmh. Ah, je vous connais direct. Parce que tu sais vraiment pas quoi dire, quoi. Oui, Valentin, dans le descriptif de la vidéo, tu as le lien du Discord. Et quand tu vas arriver sur le lien, tu as un règlement à valider. Tu cliques sur le petit carré en bas et à partir du moment où il sera validé, tu auras accès au Discord complet. Je vais vous laisser là, bonne nuit. Ouais, merci, bonne nuit. Maxou, bonne nuit à toi. Ah, puis Thomas, il rigole, hein. Oui, mais... Vanessa, attention à ce que tu marques. Prenez la... Ouais. Ah ouais, non. Vanessa va passer une bonne nuit. Tu veux que je sois franc avec toi? Là, à cause d'elle, de Fredo et de Thomas, je crois que je vais pas dormir de la nuit. Hein. Ah non, parce que franchement... C'est vrai que, non, on rigole bien. Mais pas chez soi. Parce que tu sais pas comment remercier la personne. T'es plus gêné qu'autre chose, quoi. Je savais bien que j'aurais pas dû... Oui. Hein. Après, je sais que j'avais dit à Vanessa qu'il fallait qu'elle essaye. C'était juste pour voir, tu sais, si la notification elle fonctionnait et voir comment ça allait se faire. Ouais, mais en fait, elle a montré le chemin. Ouais, c'est un peu ta valise, du coup. Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on en a parlé, et j'attendais qu'elle me dise qu'elle avait créé son PayPal. Mais elle m'a rien dit. Je viens de le faire. Bah ouais, mais tu sais que si un jour tu dois faire un test,
Faut le faire en fin de live. Pas en plein milieu. Oh. Laisse-la tranquille, ta femme, elle a rien fait de mal, la pauvre. Ah non, parce que maintenant, ce qui me fait peur, c'est que toi et Thomas, vous avez le lien. Ah, oh, c'est rien, ça. Ah, mais c'est bon. Un détail. Ouais, non, non. Non, mais après, tu peux le supprimer, hein. Ils l'ont maintenant dans leur... ce par quoi ils passent pour le faire. Hein. Ça reste enregistré, hein, normalement. Hein. Gudla, elle rigole, elle. Non, non, Thomas. Non, 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 non. J'aime pas quand Thomas dit c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Hein, ouais, Thomas, ouais, ouais, non, non. Ah, c'est... Ouais, c'est... franchement, c'est... Ouais, c'est embarrassant, c'est gênant. Parce que tu... Tu sais pas comment montrer à la personne le remerciement que t'as envers elle. C'est... Je sais... Je vais même en vous, tu vois. Bah, déjà, je bégaye. Coucou. Tu vois, là, je suis sur le point que quand je vais avoir fini le stream, vous risquez d'avoir un message. Parce que tu sais pas comment montrer aux gens le... Comment... Envoie-nous un pack de bière, ça sera plus simple. Ouais. Ouais, mais vu la poste, comment ils sont actuellement, je pense que tu risques de le recevoir en pièces détachées, en puzzle. Merci. Oh non, putain, non, non. Je suis sûr que c'est encore Thomas, parce qu'il a dit c'est qu'un détail. Puis, alors derrière, Vanessa, elle est bidonnée. C'est... Ah, ça, c'est Thomas, ça. Oui, c'est marqué Mouloud, mais je sais pas qui c'est. C'est pas toi, Fredo, ça. Non. Je suis dans mon foin, tu plaisantes, ouais, ouais. J'ai que ça à foutre. À tel point que je suis perdu, tiens, faut que je m'arrête, je sais même plus où aller l'air de repos. Je fais mes andins de foin. Ah, c'est la... Ah, mais attends, je vais aller regarder, parce que ça me semble non, bizarre. C'est Thomas, ça. Il dit rien. Je sais même pas si je m'arrête là, si... si... Funaise. Non, c'est Fredo, ça. J'ai rien fait. Oh, Fredo, faut pas... j'ai pas finir le live, moi. franchement, vous êtes pas sympa. Vous êtes pas sympa. C'est mon troisième live. Hein, mon deuxième en solo. Et vous êtes méchant comme merci ça. Avec... Non, faites pas un concours. Je vous jure que je finis la livraison, j'arrête tout. non. Je sais pas qui c'est bien. Ils vont me faire péter mon adresse mail aussi en plus. Oh mes chers donateurs, je vous remercie. Et bien fait, c'est pour faire tous ceux qui ont remercié qu'ils ont marqué ce point. Bah oui, mais il faut que c'est Thomas. ah non, non, non. vous voulez vraiment me mettre très mal, quoi. Hein non, mais apparemment, vu que c'est drôle chez les autres, bah, du coup... oui, bah, gardez pour chez les autres. Demain soir, il y a Fredo, Thomas. Non, mais Thomas, il sera gentil avec moi demain soir. Mmh. Ah, ouais, non. Ouais, ah, non, mais non. Ça te fait marrer quand c'est les autres qui prennent oui, bah, oui, voilà, mais c'est justement, c'est très drôle chez les autres. Ouais, bah, c'est bien fait pour ta tronche. Ouais, mais là, je rigole beaucoup moins, tu vois. C'est... Ouais, non, c'est beaucoup moins drôle. Mais ça, on va lui chercher une couche, il est assez dans son froc. De quoi, ouais. J'ai la notification par mail, là, Thomas. En tout cas, un gros GG à toi, Thomas. Un gros GG à Fredo. Un gros GG à Vanessa. Mais ça, faudrait une couche, s'il te plaît. On a mis plein de sièges. Mmh. Yeah. Il en a mis tellement, il en a tellement pris dans la tronche qu'il sent plus pisser, le pauvre. Ouais. Non mais vu que c'est drôle chez les autres, bah du coup c'est oui, bien oui. Qu'on arrive. Ouais mais non. Je vous dis non mais pour... ouais mais faut laisser chez les autres. Ce sera pour l'enveloppe que tu m'as envoyée. Ouais ah bah c'est gentil merci. Mais bon. Elle les a semés, ta femme. Non, pas encore, faut qu'on le fasse. Ah, moi, je vais... en tête, là, on va le faire.
Ben, moi, je devais le faire aujourd'hui, mais vu que je me suis assoupi, faut que je... Voilà, quoi. Faut que je regarde demain pour le faire. Pierre, on a perdu Mikor. Ah ouais, non, mais là, je sais plus. Là, tu vois, regarde, il y a marqué qu'il me reste 138 km, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il se termine. Il sait même plus où il vit. Ah, non, ben... Ah, non, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, limite te dire, je vais me dépêcher de finir la livraison, je vais arrêter là, même si après je reste en vocal. D'ailleurs, non, Thomas, si tu veux venir en vocal, on est chez Katia, tu peux, hein, Thomas. T'es le bienvenu, hein, tu le sais. Hein. Alors, je continue. Moi, quand je menace d'arrêter parce que je m'en prends plein la tronche, on me dit non, faut continuer. Alors, bah, tu vas continuer tes lives. Non, oui, non, mais les lives, oui, mais pas ce soir. Si, si. Non, regarde, ça fera une heure et demie, ça sera bien. Non. Tu continues jusqu'à 22h30, 23h. Tu rigoles, j'ai travaillé moi la nuit dernière. Hein. Bah, non, Thomas, non, si, Thomas, si, non, c'est fini, Thomas. Non. Thomas, il en a refait. Bah, le temps que t'étais parti, il y a Fredo. Non, c'est pas moi, c'est Mouloud. Oui, voilà, c'est Mouloud. Mouloud, il m'en a fait un. Et Thomas, il en a refait un derrière. Mais là, il cherche à ce que je perde tous mes moyens. À tel point, je sais même plus mes touches. Je suis en train de chercher mes clignotants et tout. Ouais, mais à tel point, je te dis, le fauteuil, il n'est plein. Je te dis, il reste sans bande. J'ai qu'une envie, c'est qu'il se termine et puis de couper le live, quoi. Parce que tu te dis les deux, là, regarde, Thomas, il dit c'est pas fini. Et non, Thomas. Il est déjà à la ramasse. Ouais, non. Mais ça, au passage, comme ça, c'était pareil le jour du mariage ou... Non. Parce que là, à tel point, regarde, je dérape, je fais des zigzags, mon cœur il s'emballe. Faites attention, hein, je viens d'avoir 40 ans, hein, je risque de vous faire un malaise cardiaque en plein live. Bon, après, écoute. Non. C'est malheureux dans un sens. Bah, après, bon, s'il y a du pognon à côté, madame, elle sera pas sans rien. Bah, déjà, l'avantage, c'est bien, c'est que elle est toute seule et elle aura deux voitures. Donc, la richesse même, parfait. Ah, non. Après, comme une on va pour dire. La semaine et une pour le week-end. Ah bah. 2008. De quoi tu revends le 2008? Non, le 2008, faut le garder pour le week-end, même 2008. T'as vu, regarde, elle a déjà tout prévu. Ouais. Regarde ça, elle a tout prévu, tout calculé. Non, le 2008, elle aime pas le conduire. Pourquoi? Ça va tout seul, il va bien. Bah oui, mais c'est parce que Vanessa... Ouais, mais elle a le permis, elle a le gabarit. Non, c'est pas ça. C'est que Vanessa, c'est une personne qui est pas trop grande. Et le 2008, c'est les derniers qui sont sortis. Eh ben... Et elle a le levier de vitesse qui est fort reculé pour elle passer ses vitesses. Tu sais, du coup, elle a un petit peu de mal. T'as des accoudoirs sur le tien. Ouais, mais elle a du mal. Elle est fort avancée par rapport au levier de vitesse. Ah bah oui, vu qu'elle est pas très grande, du coup, ouais. Elle a, voilà, ouais. Donc je pense elle que c'est ça. Roulant, voilà, elle a du mal. Pour l'instant, c'est pour ça que de temps en temps, donc la dernière fois, on était invité chez son neveu à l'apéro. Bon, il habite pas trop loin. Hein. Son neveu, il habite à quoi, 5 km. Tu lui ai dit, je vais prendre le 2008 et on va y aller avec le 2008. Mmh. Oh oui. Et quand on va chez ma mère, je la fais conduire un petit peu sur les grands axes pour qu'elle le prenne, tu sais, déjà bien mince, qu'en plus c'est un essence et elle est plus habituée au diesel. Ouais, c'est un début. Quand elle aura pris déjà les gabarits des deux bagnoles, elle sentira beaucoup mieux. Je suppose que c'est Thomas. Non. De quoi non? J'ai vu passer. Si, vu H. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas ou alors il y a un énorme décalage au... Ah bah oui, il y a un énorme décalage au stream. À tel point, je sais même plus où aller ma boîte mail sur mon téléphone. Ça, c'est Pierrot, ça, sûr. Non. Je sais même plus où aller ma boîte mail. Et Pierre, profite, il y a 2008 à vendre. C'est Thomas. Et tu vois, regarde, j'arrive même plus à conduire. Je préfère mon Bernard.
Franchement, merci Thomas, merci Fredo, merci Vanessa. Mais ouais, non, non, ouais, non. Ça te fait rire, toi, hein? Fais gaffe, Fredo, fais gaffe, fais De gaffe. quoi? Tu peux De avoir quoi? le retour du bâton. Des menaces, vas-y. Fais J'ai pas gaffe, peur, moi. fais gaffe. Ah bah. Là, ouais, Vanessa, oups, la boulette. Elle, à chaque fois qu'elle entend, je sais pas si c'est qu'elle l'entend ou qu'elle le voit sur son téléphone ou qu'elle le voit sur OBS, parce que quand elle est dans le canapé, elle voit OBS. Hein. Mais elle est pliée. Berlingot, toi, tu roules, Pierre? Oh, Hein? Berlin. Tu roules en berlingot, toi? Ouais. Oh, Berlingot, D'accord. c'est bien. Moi, j'avais un partenaire avant. Hein. C'est nickel, ça. Ah, Nickel. par contre, j'ai testé bah, J'ai chaud. avant mon premier ZAF. Avant mon premier ZAF, j'avais testé un Kangoo 4x4. Oh, que c'est tape-cul que ça fait mal au dos. Mais Vanessa, quand je te dis essayer, oui, donc tu sauras que si un jour je mets quelque chose en place sur YouTube, que je te dis il faut l'essayer, on essaye en fin de live. Hein, quand on arrive à la fin. Voilà. Ah, j'ai découvert Bordeaux. Parce que tu Ah. crois que même en fin de live, on va pas te mettre un suppo en off. Non, 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 pas en off. Tiens. Si on n'arrive pas à t'avoir en live, on t'aura en off, hein, c'est le Non, non, détail, quoi. non, oui, mais non, 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 non. Là, vous vous êtes bien amusé, vous avez bien rigolé, vous m'avez bien fait perdre. J'ai chaud, j'en peux plus, là. J'ai pris une douche avant le live, je me demande même si après le live, je vais pas leur prendre une. J'ai l'impression que mon t-shirt, il est trempé, j'ai chaud, je suis pas bien. Mais ouais, non. Non, non, faut Non, pas moi je faire dis c'est ça. GG à Vanessa. GG à Vanessa, elle a fait le test au bon moment. Ouais. C'est vrai que tu l'aurais fait, Vanessa, avant que Thomas il arrive. C'est tout au début quand il n'y avait personne. Tu aurais passé inaperçu. Moi je t'attendais au virage depuis un moment. Il y a pour le fait d'avoir la notification, enfin, l'écriture en même temps que la notification. Et j'aimerais bien trouver le truc, tu sais, pour que ça reste affiché en haut du chat. Enfin, après, je vois pas le haut du chat. Ça se trouve, ça s'affiche quand même, non? Je sais pas. Ouais. Tu sais, comme ils ont David et tout ça, tu sais. Non, alors ça tu l'auras pas parce que ça si je me trompe pas c'est que pour les chaînes monétisées. Ah, d'accord. Bon, bah. Je crois, hein. Tu redemanderas à David, mais je crois que c'est Merde, pour les chaînes monétisées. je me suis trompé. Non, Et je je me suis trompe. perdu, je sais plus où je dois aller. À Bordeaux? Ah non, c'est ici, c'est là que je rentre. Oui, mais je sais plus où je dois aller me garer, je suis perdu. Pas un GPS? Enfin, nous y voilà. Ah, tu vois, même le GPS, regarde, même le GPS, il n'en peut plus de vos bêtises. Il a dit, enfin, nous y voilà. Mais non. Faut pas faire des choses comme ça. Vous dites, il faut. Je suis un petit jeune, je suis un débutant. Il y en a qui ont beaucoup plus l'habitude, c'est plus drôle chez eux. Pierre, lui, il rigole en gars. Et Pierre, il est encore pire. Hein, Pierre, il fait discret, il dit rien. Puis t'as 8 personnes qui visionnent actuellement. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le chat, mais il y en a qui doivent bien rigoler derrière leur écran en même Oh, temps. oh, pardon. Salut Thomas, ça Salut, va? salut. Merci! Thomas, non, je sais plus qui c'est. Là, non, là, je. Attends, ah, ça, c'est Fredo. Non, Fredo, arrête! J'ai Non! rien fait. Oh, j'ai. Il y en a un nouveau qui fait lune maintenant. D'habitude, c'est Thomas qui fait Tiens, tous ces tu chefs. sais quoi? Je vais vous laisser 30 secondes. Je vais laisser le camion comme ça. Je vais Il aller a faire. changé de slip. Je vais dire autrement, je vais aller me recharger un café. Mais non. Il a changé de slip en même temps. Non, non, mais bon. Ouais, Thomas, il rigole. On a trouvé un nouveau qui fait de l'huile. C'est bien ça, Thomas, tu regardes. On trouvait. C'est là, il se foutait de ma tronche pendant un temps. C'est bien. J'avais rien dit parce que ça fait quelques vidéos que je l'ai mis en place. Je dis rien à personne, je fais tant que personne le découvre.
Et ça va tout seul. Et là, ouais, non, non, là, moi, je sais plus. Regarde, regarde là, elle est dans le canapé sous sa couette. Elle est bidonnée. Il faudrait que je vous fasse une photo de comment elle est, là. Hein, elle vous, entendez, vous entendez pas un bruit? Attends, Mika, écoute, écoute. Vous entendez pas quelque chose? Ça fait flop, flop, flop. Ouais. J'ai tellement pissé dessus qu'il en a plein les godasses. Non, en plus, j'ai mes gros chaussons moumoutés. Ah bah voilà. C'est encore pire. Non, là, il est en train de construire l'usine, non? Ouais. Non, mais alors, puis Vanessa, elle est ici parce qu'elle s'est mise, tu sais, juste derrière mon siège. Parce que j'ai tourné mon bureau. De la manière qu'elle est dans le canapé, elle voit mes trois écrans. Hein? Oui, c'est ta place, mais de là de où t'es, tu vois le retour OBS. Donc à chaque fois qu'elle voit que... Elle regarde, elle voit la notification qui est mise, elle est bidonnée derrière, elle est glousse comme une dinde. C'est que t'as un problème de réseau ou tu bégayes? C'est que c'est un problème de réseau ou tu bégayes? Les deux, mon capitaine. Moi, je suis plus. C'est qu'il y a des tailles. Non, non, c'est bon, Thomas, c'est bon. Thomas, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Thomas. Et Thomas, déconne pas, parce que Nessa, après avoir une sacrée machine à laver à tourner. Ah ouais, bah... Ah bah là, oui, là... Je crois même qu'elle va devoir mettre le fauteuil dans la machine à laver. Et puis le bonhomme. Ah bah ouais. Vous êtes vache en plus parce que je venais de prendre ma douche. Tu mets tout d'un coup. Par contre, remplace la lessive par du vinaigre blanc. Hein. Quelle méthode de la javel, là. Ça détartre. Non, non, la javel, ça détartre pas. Ah, ah vous. Franchement. C'est pas ça. tu sais ce qu'elle va faire derrière, une fois que ça va être fini? Elle va me dire on va accrocher la remorque derrière le 2008, qu'elle va m'emmener à l'éléphant. Ah oui, ouais, c'est une solution. Oui, ah oui. Bon, j'essaye d'en faire un petit dernier. Je regarde une ville que j'ai pas. Ah, attendez, il change son slibard, il revient, n'oubliez pas. Attends, je regarde l'armement. Ouais, c'est ceux-là de remorque. Donc, j'ai une. La Rochelle, je l'avais pas découvert. Non, mais faut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien. Mais si. Non. Allez, on passe au clavier, j'ai pas que ça. C'est Bordeaux, pas que c'est la Rochelle. C'est marrant. Oui, bah. Non, mais tu vois, Mika, c'est bien parce que déjà, Massé, il se marre parce qu'il t'en prend plein la tronche. Mmh. Et c'est bien parce que moi aussi, je me marre parce que t'en prends plein ta tronche. Alors que d'habitude, vous êtes tous en train de vous foutre de ma tronche. Ouais, mais je préfère, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle d'habitude. Ouais, mais Mika, chacun son tour. Hein. Oui, voilà. Là, il t'a préparé le terrain, Thomas, tu vois, maintenant... Ouais, mais fais gaffe, Fredo, parce que la dernière fois que j'ai regardé un live où Thomas, il a fait perdre pied à quelqu'un, il y avait une personne qui rigolait bien, et le lendemain, il a pleuré. Hein. Ouais, non, mais moi, je suis tranquille. Il l'a pas dit, mais il a bien pleuré. Ouais. C'était la berce. C'était Giflo. Ça commence par un J. Oui, c'était Giflo. Oh, je vais pas le dire. Ah, j'ai pas vu... Si t'as le... Si t'as le cut, Thomas, non, ça m'intéresserait. Parce que non, pas là, c'est David qui nous l'a dit après. Parce que la veille, David, il liveait. Et ouais. Thomas, il avait mis David en PLS. Et Giflo, il rigolait pendant que David, il était en PLS. Ouais. Mais, ouais, et puis Giflo rigole pas trop, ça va être ton tour. Mais non, t'inquiète. Il a rigolé, mais le lendemain, Thomas, il l'a mis en PLS. Mais à tel point qu'à un moment, c'est David qui parlait sur le live, l'image elle était arrêtée, Giflo l'avait coupé son micro. Oh putain. Ah ouais, non. Mais c'est impressionnant comment ça fait. Et quand j'ai fait la PLS à David, c'est toi qui as fait crever en live. Ouais, en étant en vocal tous les deux. En Discord. Je m'attendais pas à ça. Ça fait bizarre. Hein. Bah, tu sais quoi, la première PLS que j'ai prise, je crois que c'est Thomas qui me l'a mise. Je crois que c'est Thomas qui me l'avait tapé la première PLS, je crois. Et en fait, mes sons étaient tellement réglés fort que c'est un peu comme vous jouez avec Discord, là, tu sais. Mmh. T'as l'impression d'être vraiment présent à 100% sur le sujet. Et j'ai un truc qui m'est arrivé dans les oreilles, tel un bourdon qui t'arrive à côté de ton oreille en plein printemps, en plein été, là. Bon Dieu, le bon que j'ai fait, je me suis demandé où j'étais, je savais plus où j'étais. Déjà là, quand je l'ai choisi...
Je me suis dit, il faut pas que je prenne quelque chose de trop long en son. Ah, mais même, hein. Même le peu de secondes que t'as dans les isgourdes, tu te sens bizarre. Oui, oui. Là, t'imagines, la notification, elle dure que en son, elle dure que 2 secondes. Mais ça fait bizarre. On va te faire voir. Ah non. Il vient de mettre un son, Thomas. Là, le truc, c'est que le pire, j'ai l'impression que c'est mon gamin qui tape à la porte de sa chambre. Ouais, Thomas, il en a plein de sons comme ça. Ah, Thomas. Et le pire, c'est que Charles, je le connaissais pas. Je dis à Sonia, j'ai repris un abonné, puis que je ne sais pas comment il s'appelle, tu sais. Elle me dit... Et en fait, Sonia était au courant que Thomas allait m'en mettre une. Sonia, ça faisait déjà 2 jours qu'elle l'avait dans la tronche, ça. Non, elle était pouffée de rire, elle n'en pouvait plus. Ça faisait pas 2 jours, ça faisait un mois. Ou un mois. Ah, oh, c'est encore pire. Mais là, je te raconte... Putain, ouais, quand il met des sons comme ça, tu te demandes quoi? Tu te dis, c'est quoi? C'est où? Le pire, c'est... Rigoler pour Fredo. Le pire, c'est pour Fredo, tous ceux qui vont live dans les jours à venir, qui vont regarder le live et qui vont savoir qu'à un moment, hein, tu perds pied, quoi. J'ai pas fini de l'entendre. Tu sais, je me demande si Katia est pas encore sur ton live et qu'elle est bidonnée dans ton dos, là. Oh, peut-être. Je me demande si la patronne, elle est pas là en train de surveiller ton live avec certains autres et puis qu'ils sont pas bidonnés et puis en train de se dire, tiens, regarde-lui, il a pas couru, bah. T'arrives pas à Val. Merci, au revoir. J'ai glissé, chef. Mais y en a, c'est sûr, parce que regarde, il y a marqué que j'ai 8, enfin, moi, je vois 8 visionnages. Donc sur les 8 visionnages, tout le monde ne parle pas dans le chat. Bah donc, non, il y a des 8 visionnages, et, 12 pouces. Donc t'es bon. Voilà. Et t'as des personnes qui doivent être là, qui ont peut-être assisté à tout, et qui doivent être en train de bien rigoler. Moi, il y a une personne, j'aurais bien voulu voir l'attitude qu'elle a réellement, parce que toi tu le dis, mais c'est bien. Mais j'aurais bien voulu voir l'attitude de Vanessa quand tu t'es pris les suppos. Ah oui. Ah bah Vanessa, alors pour te dire, là elle est dans le canapé, donc tu sais c'est un canapé en L. Donc elle est sur la partie la plus longue, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Elle est là, elle est nichée dans sa couverture, elle a son oreiller et voilà sur le retour. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, elle glousse et elle plonge sa tête dans l'oreiller pour éclater de rire. Parce qu'elle sait que je suis en train de prendre tarif, que je suis pas bien. Parce que c'est quelque chose que, voilà, c'est pas naturel, quoi, de prendre un tarif comme ça. C'est pas quelque chose de naturel, donc t'es pas bien. Et elle, derrière, elle est bidonnée parce qu'elle sait que je suis pas bien, parce qu'elle me connaît. Tu sais, voilà. Tu sais qu'après, on peut s'arranger avec Thomas pour te mettre encore moins bien que... On peut s'arranger avec Thomas pour un jour te mettre encore moins bien que d'habitude. Non. On peut s'arranger avec Thomas. Non, il n'y a pas d'arrangement. C'était drôle, moins pour moi. Voilà. Ça y est, vous avez réussi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, je savais plus. Je me demandais quoi. Puis, alors, Thomas derrière, il met plein de sons. Tenez la gauche. je te jure qu'à chaque fois, je regarde sur mon retour s'il n'y a pas quelque chose. D'ailleurs, mon retour OBS, il est mal mis. Enfin, je le mette autrement parce que pour pouvoir le voir plus facilement. Tu peux le décaler un peu, comme ça tu verras mieux, c'est ça? Non, mais comme tu pars, c'est bon. Eh ben. C'est pas tellement le voir, c'est le son. C'est quand t'as le son, tu sais, tu te dis, tu sais que. Voilà. Alors, déjà qu'en plus, vous êtes vache. Parce que comme je vous ai dit. C'est mon 3e live. Hein. J'ai encore du mal à gérer sur tous les écrans et vous me mettez tarif comme ça. Donc Vanessa, ce soir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. À cause de toi, ça. Si. Mais ouais, non, franchement. Je vais plus regarder les lives des autres pareil. Mais le pire, c'est que maintenant, quand je vais faire un live, je vais avoir une appréhension. J'ai glissé, chef! C'est-à-dire que tant que tu vois pas certaines personnes arriver,
tu te dis le pire, bon... mais, le pire, Nessa, c'est que tu vas te faire engueuler sur une chose que Mika t'a demandé. Alors, oui, mais... alors, je lui avais dit que je voulais qu'on fasse un test. Oui, mais déjà, je m'attendais, qu'elle, me... déjà, je m'attendais qu'elle me dise, tiens, j'ai... je me suis fait un compte PayPal. Au pire, j'aurais dit, écoute, on fait un test, je lance un live en privé, je lui mettais les droits pour qu'elle le regarde, puis elle le faisait, tu sais. Mais pas comme ça. Bonjour, monsieur Meyers, oui. Comment tu vas? Merci pour salut, le passage, salut. Merci pour le pouce. Mais ça, on est témoins. Si les menaces vont trop loin, on est témoins. Pas ouais. De comment on ça va, comment ça va, monsieur Meyers? C'est vrai. C'est ouais, Meyers qui m'a fait l'honneur d'être là sur le live hier soir. Oui. Bah, moi, je suis. Bah, j'y ai pas dit. Enfin, tout à l'heure, je l'ai vu sur le live de Romain, mais bon, je voulais pas en parler. Monsieur Frédéric Toulouse, je voulais pas en parler sur le live de Romain. Cette nuit, comme j'étais de nuit, je me suis mis le live de. Enfin, la vidéo de monsieur Meyers pendant la nuit. Oui, non, je vais pas bien, la Vanesse, oui. Non. Ouais, il zezote un peu. Ouais. T'as changé ton slip, Mika, ou pas? Ouais. D'ailleurs, à telle fois que je me suis demandé si j'allais me chercher un café ou si j'allais me chercher une poire cognac. Mais, ah non. Ils ont réussi à me mettre en PLS hein, entre Madame Vanessa, Monsieur Fredo et Monsieur Thomas. D'ailleurs, si vous regardez la rediff, vous allez bien rigoler. Non, t'as rien fait, Vanessa. Non, c'est toi qui as commencé en plus. Moi non plus, j'ai rien fait. Non. Moi non plus. Hein. Mais franchement. Non, mais vas-y, allez, change tes cachets, Mika, c'est pour les bons que t'as pris. Ah, c'est pas les bons. J'arrive même plus à rouler, Gatsa, je mange les lignes et tout. Ouais, c'est des autres. Ouais. Voilà. Déjà que d'habitude, je conduis pas bien. Le mec, il est incontinent, il se pisse dessus, c'est notre faute. Non, mais tranquille. Ouais, Nessa, elle est innocente et nous aussi. Hein, ouais, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Mais t'as pas de preuve, t'as pas de témoin. C'est vrai que franchement. Merci! Oh non, putain, non. Ouais? Non, mais de toute manière, t'as pas de preuve, t'as pas de témoin. Putain. Donc, la procédure est caduque. GG Thomas. J'arrive même plus à conduire, j'en peux plus. GG Thomas. J'en peux plus. Crois que je vais plus faire de live, je vais faire que des vidéos. Puis je vais annuler le lien. Alors, franchement, non. Je sais même plus quoi leur dire. Je sais même plus si je dois dire merci, si je dois me mettre à genoux, si je sais plus. Ah oh oui, mets-toi à genoux. Oui, mais pas pour ça. Et le pire, quand ça t'arrive comme ça, choisis bien tes mots juste après. Oui. Parce que les gens vont pas te louper. Alors, le truc qu'il y a, tu vois, conseil. C'est à ce moment-là où tu te dis, tu regardes ton OBS, t'as pas de paquet perdu. T'aimerais bien qu'il aille au rouge et puis que le live il se coupe. Ça, le replay, ouais. Mais je pense que là, Mika, ce qu'il va falloir que tu fasses à l'avenir, c'est te mettre une webcam que tu te filmes un peu ta tête. Non, ça bien de voir non. Dans ces Ah non. Oh merde. Ah non. Oh merde. Non. Si. Non. Non. Alors, je pourrais pas mettre de webcam parce que derrière moi, j'ai pas de mur. On va voir que c'est ma maison, ça va peut-être voir les enfants et tout ça. Mais non. Non, tu fais un trépied avec un drap blanc, ça te fait un mur. Hein. Bah oui. Ouais, mais non, il y aura pas. Non. Si. Ah, ça dépend comment tu l'orientes. Hein. Oui, mais non. Non, mais au pire des cas, tu t'achètes un écran vert là. Oui. Écran vert. Non. Déjà là, je pense que vous l'avez déjà bien entendu, vous avez bien rigolé. Hein ? Oh, bah oui. Alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Non, Nessa, le live là, tu l'enregistres et puis tu sais, quand tu vas dans la famille, tout ça, tu le redonnes, tu le fais voir à la famille. Ah non, mais attends, parce que là j'en connais un. S'il tombe dessus, il va rigoler. Parce que j'ai appris dimanche chez mon beau-frère qui nous a invités à prendre l'apéro. Et en plein milieu de l'apéro, il me dit au fait, t'aurais pu le dire que tu faisais des vidéos sur YouTube. Nessa, t'aurais pas un appareil photo numérique qui marche en Bluetooth? Comme ça, à ce moment-là, avec ton téléphone, tu le déclenches. Oui, ce serait marrant pour voir les photos de Mika. Juste parce que tu veux des photos, quoi, Pierre.
Non, hein? Après, Mika, tu peux faire ta caméra, tu peux la mettre en bas de l'écran, comme ça on voit pas ta maison, on voit que ta trogne. Tu ouais, règles non. pour voir oui, ta trogne. Non, oui, mais non, 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 non. Alors, déjà, je commence seulement à me familiariser avec le son de ma voix pour faire les montages. Parce que les premiers montages, je supporte pas ma voix. C'est dur, hein. Ouais. C'est franchement t'entendre parler, c'est dur. Ouais. Donc tu penses à ta femme, ah ça bah fait ouais. Plus de 10 ans qu'elle t'entend parler. Non mais c'est pas ça, c'est entendre sa voix. Enfin moi personnellement, entendre ma propre voix, même quand tu fais un message de répondeur. Qui aime bien écouter son message de répondeur? Personne. Non. Parce que personne aime entendre sa voix. Alors quand tu fais du montage, déjà faut que des gens entendent ta voix. Bah alors là, en plus, si je fais les streams et que je vois ma tête, non, non, j'aime déjà pas ma tête, alors si, hein voilà. Ouais, on s'en fout de ta tronche. C'est juste au moment où tu vas prendre un suppo qu'on veut voir la tronche que tu vas avoir, c'est tout. Non, 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 c'est... Détagne. Regarde, voilà, j'arrive même plus à conduire. Voilà. Pardon, Knessa, 16 ans. J'ai glissé, chef. 16 ans, Knessa, 16 ans, Knessa, je supporte ta voix, imagine. Imagine la pauvre femme. Mais je suis sûr et certain que demain, je lui mets le casque, je fais une vidéo, je lui fais faire le montage où il y a sa voix, elle aimera pas. Ta gueule. Thomas, voyons. c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai écouté la vidéo. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, non. Oh, j'ai une voix de brin. Après, voilà. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense que c'est... Oui, voilà, c'est... Au début, puis après tu t'y habitues. Voilà. Alors déjà là, entendre ma voix, je commence seulement à m'y familiariser. Si tu veux qu'on puisse voir ma tête, non, non, non. Dis-toi bien, toi c'est là... C'est nul. Toi là, on est en 2024, c'est maintenant que tu débutes les lives. Oui. Dis-toi bien qu'à l'époque, pour ma part en tout cas, quand j'ai commencé les streams, il y a 8 ans que je fais des streams, d'accord. Et il y a 8 ans en arrière, mon casque n'était pas exceptionnel. Oui. Dis-toi bien qu'en plus de ça, personne ne voulait se lancer sur la présentation des lives. Il a fallu que ce soit moi qui se dévoute. Qui s'en fout ? À l'époque de l'ancienne team. Donc dis-toi bien que toi, tu le fais parce que tu le veux. Voilà. Alors que moi, je l'ai fait à l'époque parce que personne n'en voulait. C'est pas pareil. Ça faisait quelques temps que ça me trottait, mais... Qui s'en fout ? Mais au début, c'est vrai que ben, tu sais pas comment faire. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance... d'être en équipe, voilà, en team avec Katia, et que Katia m'a expliqué avec OBS. Donc au début, je tournais des petites vidéos, je lui ai envoyé pour alimenter la chaîne. Et puis après, ma chaîne YouTube, ça fait des années qu'elle est créée, mais il n'y avait jamais eu de contenu dessus. Et bon, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais me lancer. Et puis voilà, mais ouais, non, là, me lancer comme ça et... Je crois bien que bah, Vanessa... Je pense que Vanessa, elle peut aller vérifier. La première vidéo, je crois qu'elle a un mois. Putain. J'ai dû me lancer fin février. Ouais, elle a un petit peu plus d'un mois. Et au bout d'un mois, me prendre comme ça des suppos... C'est toujours très bizarre de s'entendre. Oui. Ouais, c'est ça. C'est alors, compliqué. Déjà, c'est bizarre de s'entendre, premièrement. Deuxièmement, quand on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas quoi dire, quoi faire comme là, quand on prend des suppos comme j'ai pris, c'est terrible. C'est terrible parce que tu te dis toujours, est-ce que ce que je vais dire, ça va être assez pour remercier les gens? C'est terrible, ça dépend pour qui. Hein. Nous, c'était drôle. Oui, voilà. Bah vous avez passé un bon moment. Moi, non, 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 Cédric, j'aime pas les suppos. C'est pas ça. C'est que du coup, tout le monde connaît la valeur de l'argent. Il y en a certains qui en ont jamais assez. Mais tu connais la valeur de l'argent, tu sais que pour gagner de l'argent, le travail qu'il te faut et tout ça pour avoir ton salaire, des choses comme ça. Et là, tu as une personne qui te fait un don, c'est de se dire, est-ce que je vais lui dire assez merci? Tu as toujours l'impression que tu ne le dis pas assez. Donc, bon, après, Vanessa, je vais lui dire merci d'une autre façon après. Bon, voilà. T'es sûr? Non. Je te dis, je sais même pas si je vais savoir dormir ce soir. J'ai mal à la tête. Bah, arrête un peu. T'as mal à la tête, mais c'est pas grave, je la roulerai dans l'aspirine. Tu pourras choisir. En cachet à sucer ou en subo. C'est nul! Thomas, il se lâche là. Ah ouais, bah là, il se fait plaisir. Bah, là, Thomas, j'ai l'impression que Thomas, il a passé une bonne soirée là, Thomas.
Oui, ah, Thomas. Ouais. Ah bah oui, oui. Vous êtes arrivé à destination. Thomas, il a bien rigolé. Moi, beaucoup moins. Ouais, mais maintenant, tu te mets un peu à la place des streamers quand ils se prennent un suppôt, tu vois. Oui. Ouais, texte porte. Oui, Fredo, je sais ce que les gens ressentent, mais... Comment bah, je là, c'est une première pour toi, donc tu t'imagines, tu vois maintenant ce que ça fait, ce qu'on disait Romain. Les premières fois, bah... Ah bah, la première fois, oui, je vois ce que ça fait. Et franchement, c'est dur. Sans mauvais jeu de mots, hein. Bah, elle est dure, hein. Enfin, le suppôt, il est dur, hein. Ouais. Alors, là, c'est pareil. Regarde. Tu te dis, je viens de faire une livraison. J'ai encore 10 visionnages en cours. Bah, c'est très bien. Ouais, mais tu te dis... T'as 10 personnes qui te regardent. Je vais en refaire un petit pour remercier les gens. Puis c'est là que tu montes à 20 visionnages pendant ta dernière livraison. Bah, tu te dis, bah, je dois en refaire un. Ouais, mais non. Non, mais tu t'imagines. Regarde, hier soir, on avait encore 12 personnes sur le stream. Oui, voilà, c'est ça qui est... Tu sais pas... Tu veux faire plaisir aux gens, mais il y a des fois... Et il y a des fois, t'as l'impression que quand t'arrives comme ça à la fin, c'est là que t'as le plus de personnes. Alors j'étais où, La Rochelle? Ouais, c'est long. Il y a quoi, La Rochelle? Si on va pas faire un trajet trop long. Hein. Mais je trouve qu'une multitude de petits trajets, c'est mieux. Bah, en Espagne. Ouais, mais non, j'essaye de faire les villes, tu sais, là en France, que j'ai pas encore déverrouillé, mais il y en a plus beaucoup. Ouais, c'est nul! Saragosse, j'ai déjà fait. Ça y est, Mika, il est perdu, il a pris son premier support. Ah ouais, non. Comment on fait? Porto Vecchio, tu vois, Ça, c'est quoi? Ah oh non, 1300, il est trop long, celui-là. Je serais curieux de voir Massé le jour où il va faire des streams, comment ça va se passer. Ouais, la seule différence, c'est que moi, je mettrai pas de lien PayPal. Oh, mais ça, c'est pas grave, vous ferez une enquête. Hein. Tu sais qu'il y en a, ils sont forts pour les enquêtes. Hein. Et puis, je vais faire un La Rochelle, Le Mans. Allez. Ah ouais. J'aurai pas de lien PayPal. On s'arrangera autrement. Pourquoi il m'a déjà mis une remorque là. Ah, c'est pas ça, attends. J'ai pas pris une offre de traction. T'as pris une mission rapide? Ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre une offre de traction à la place. Tu vois, je suis perdu. Ça me... Bichon. Ah ouais, non. Oh, bichon. Bonjour, monsieur Matt, comment tu vas? Merci pour le passage, merci pour le... Salut, Matt. Salut, Matt. T'as pas été simple, Fred. Celle-là, je vais l'annuler. C'est pas si, grave. Si, qui a pas été sympa. Toi et Thomas. Puis Vanessa, surtout. Non, rien fait. Je te dis... T'as tendu le bâton. Thomas, ouais, je suis tellement perdu que je ne sais plus. C'est de ta faute, hein. Ça y est, c'est de la faute des autres. Ouais. La Rochelle, Le Mans, tiens, des petits chariots comme ça. Tu sais, Calimero, c'est pas de... Ah non, mais là... Là, vous m'avez fait perdre pied et tout. Ben vous, c'est vrai qu'à un moment, vous avez franchement bien rigolé. Non, je vais en refaire une petite. La dernière, parce que par rapport au nombre de visionnages, Valentin, tu peux pas quitter un stream quand t'as un certain nombre de visionnages. Au moins pour remercier les gens qui passent et tout ça. Ah, ta femme, elle a mis un message, elle a pas tort. Hein. Non. Ouais, je demanderai plus, ça c'est sûr et certain, Vanessa. Et tu sais, il est en train de faire quelque chose. Qui est? Bah, c'est un poisson vert. Hein. Ouais, non. Il est en train de tourner en rond aussi. Hein. Ah oui. Là, ouais, à un moment, vous rigolez, mais je savais plus, ouais, je savais plus ce que je devais faire. J'ai eu un enchaînement, je savais plus où j'habitais, qui j'étais, ce que je faisais, voilà. Bonne nuit, Cédric. Bonne nuit, Cédric. Merci de ton passage, merci pour le pouce. Ouais. M'avait donné chaud. Oh,
Ouais. On va en refaire un comme ça. Comme ça, j'aurai deux. Ça fera deux bonnes heures. Un peu passé, mais quasiment 2h30. J'aurai bien roulé. Malgré tout, on va croiser les doigts pour l'instant. Je n'ai pas peur. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Pourquoi tu te mets comme ça avec ton téléphone? Elle est prête à prendre des photos et tout, là. La manière qu'elle se mit. Mais sur Discord, mais ça, mais sur Discord. Non, non. Comment tu veux, regarde. Mais ah oui, c'est vrai. Non, non. Non, elle a replié sa housse de téléphone, j'avais pas fait gaffe. Ah, bah, tu sais, normalement, housse téléphone replié, t'as quand même des objectifs. Hein. Non, là, non, c'est une housse... Comment tu sais que... Si elle replie, t'as plus les objectifs derrière. Voilà, c'est un portfolio. Ah, je suis dégoûté. La voiture que j'ai voulu mettre, elle marche pas. Les boules. C'est quoi que t'avais mis comme voiture? Un partenaire. Moi, j'avais voulu mettre un C15 et un Express. Mmh. Oh, bah alors, niveau son moteur, tu conduisais le C15, t'avais l'impression que tu conduisais une Ferrari. Ouais, ils ont des bruits bizarres, ils ont gardé des bruits d'origine. Ouais, voilà, donc du coup... du jeu, ouais. Faut que je regarde, j'en ai mis un autre, là. Et faut que j'essaye ça. Ah, mais bon, là, moi, je vais vous laisser. Bonne nuit, Thomas. D'accord, bonne nuit, Thomas. Alors, un maximum de GG pour Thomas dans le chat. Franchement, merci, Thomas. Moi, de rien, avec plaisir. Avec plaisir, pour toi. je t'enverrai un message. Je vais peut-être attendre demain matin. Je vais te laisser dormir, vu que demain, je travaille pas. Je t'enverrai un... Tu travailles pas demain, si? Non, je travaille pas. Je t'enverrai un message demain. Trop de fautes chez vous, là-bas, encore? Non, et puis demain, ça va être journée papier. Oh là. Un truc qui m'enchante pas, mais bon. Bah, je crâne. Je t'enverrai un message que je suis de tout cœur avec toi. Ça marche. Allez, merci à toi, Thomas. Bah, bon live, et puis à la prochaine. Bah, merci, bonne à la nuit, prochaine, Thomas. Bonne nuit à toi. Oh, je suis beau. On a encore mal aux fesses. Ah bah donc tu pourras rien faire ce soir, hein. Tu seras trop sensible, hein. Tu pourras pas. Oh. Attends, regarde. Je vais ralentir là sur le bord de la route et je vais regarder. Hein. Vous avez vraiment pas été sympa parce que à vous trois avec Vanessa, je vais aller sur ma boîte mail parce que de toute façon j'ai les notifications. Moi je sais combien j'ai donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suppos vous m'avez mis. C'est rien ça. Ah, je suis dégoûté, la voiture, ça veut dire qu'elle passe pas sur le jeu. Ah, les boules. Après, est-ce qu'elle rentre pas en conflit avec quelqu'un qui a un autre mode ou quelque chose? Et pourtant, vu qu'elle était pas sélectionnée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désélectionné tous les modes, et j'ai tout resélectionné. Et non. Ah bah, c'est qu'elle fonctionne pas. Elle est pas du 19? Ah bah non, si elle apparaît. Non, bah non, elle apparaît dans le jeu, mais... Attends. Je me trompe de save. Nous y sommes. Ah si, pour toi il est sélectionné, mais je le trouve pas dans le jeu. Bah je vais le désinstaller, je vais mettre une autre bagnole. Et je suis... T'as regardé dans autre? Ouais, j'ai regardé dans diverses. Et des fois tu l'as dans les voitures ou... Ah, j'ai pas regardé dans les marques. Parce que tu sais, tu peux voir dans les marques. Oui. Pourquoi j'ai plus l'autre... J'ai pas regardé dans les marques. Punaise. J'ai plus le trajet que je voulais faire. Et tu vois, hier, c'est pareil. Hier, on a fait un live et puis on a eu des gens qui sont venus. Ils se sont abonnés. Ouais. Mais on n'a pas eu l'alerte. Ah ouais. On n'a pas eu l'alerte. Ben moi, j'ai découvert que ça dépend de l'ordre dans lequel tu le mets... dans ton OBS. Bah, j'ai dit à Sonia en fait que c'était, ça devait être des, comment on appelle ça, ça devait être des chaînes privées. Ah peut-être. Ça se trouve elle est activée mais elle est dans les marques et elle est pas dans du paradis. Je te jure. Hein. Ça se trouve elle est dans autre. Oui, il y a des fois il y a certains. Ou alors t'as pas un onglet particulier avec le véhicule pour le prendre. Il est peut-être pas dans les voitures. Il est peut-être dans un onglet particulier. C'est bah, quoi, j'étais voir dans diverses.
Bah en fait, tu sais, il y a un partenaire, un Peugeot partenaire sur King Mode, il est sorti semaine dernière. Ouais. Et je l'ai mis dans mon jeu. Je l'ai mis pour véhicule de ferme, tu vois. Mmh. Et bah, il n'apparaît pas. Et pourtant, il est validé. Mais j'ai pas été voir par marque. J'ai pas été voir dans les marques. Parce qu'il y a certains modes, en fait, tu les trouves pas dans, dans le panel du jeu, mais tu les trouves dans les marques. Et j'ai pas été voir. Donc je suis en train de relancer. Diverse véhicule. Ça où il suffit. Dans... Ça où il suffit comme je te... Ou dans les camions. J'ai été voir, ouais, non, il apparaît pas. Ça où il y a... Ça où il y a des fois à côté entre les premiers véhicules, t'as peut-être un onglet qui s'est rajouté. Et c'est lui. Merci. Bah non, j'ai rien vu. Ouais, je vais voir. Tu sais, au point où j'en suis. Sinon, j'en téléchargerai un autre demain. Après, pareil, sur les vieux modes, un trafic de, des années 90, mais les seuls, c'est les DS10, et c'est du FS19. C'est moche. C'est qui pour la fin? Là, t'as des derrière moi, des bidonnés. Faites quelque chose. Ah bah non, c'est ta femme, tu te débrouilles avec elle. Oh. Mmh. Nous, merci ma chérie. On rentre pas dans les conflits. Un max de GG pour Vanessa. Hein. Elle m'a dit pour la fin. Oui. Juste pour le plaisir, tu sais, de me revoir une dernière fois. Paniquer, tu sais, quand t'as la notif. T'as le petit son qui va bien. Il y a un c'est vrai. Bip de Discord, là. Ah, moi, j'ai personne qui s'est remis. On est que trois. Il y a toi, Pierre et moi. Bah Maxou il est où au fait? Maxou il s'est déconnecté tout à l'heure. 9h30 lui il s'en va lui. Ouais, demain il travaille. Hein. Ah j'ai pas entendu. J'ai pas entendu partir. Là-bas j'avais dit si je fais un live ce soir une heure, ça devait être bien. Parce que bon, comme je suis un peu fatigué parce que j'ai pas dormi mon quota d'heure. Voilà, mais vu les... Non, ça a commencé. Ça a commencé à la base où j'aurais dû couper. Et après, mais je peux pas me permettre. C'est vrai qu'on discute bien. Il y a une bonne ambiance. J'ai des visionnages. Il y a les personnes qui discutent dans le chat. Je peux pas me permettre de couper comme ça d'un coup. Donc, ben, je suis resté et j'aurais pas dû. Parce que c'est là qu'après tout a commencé à déraper. Non, ça n'a pas dérapé. Ouais. Ah ouais, mais on n'a pas les marques en fait. Bah si, normalement. Bah si, hein. Le logo avec la petite étiquette. Oui, quand tu vas dans ta boutique, le tout premier, la petite étiquette. Mais comme Renault, il est pas reconnu comme marque. Ah ouais. Est-ce que tu vas l'avoir? Après, ça dépend comment le mode il a été construit aussi. Hein. Sortez maintenant. Mais bonsoir, c'est lui qui est arrivé au vocal. Ah ouais, bah c'est Manès, on t'entend pas? Ah, pas branché le micro. Ouais, ou alors t'as pas encore branché le micro. Peugeot. Ouais. Moi, tu sauras, Manès, que la prochaine fois, on fait pas des essais en début ou en milieu de live. À la fin, oui. M'entends, là est... Ouais, là, on t'entend. Ah, oui. Non, il est pas dans les marques non plus. Donc à mon avis, il passe pas. Il passe pas. Bah la prochaine fois, tu me demanderas pas de faire des essais. Ah. Voilà. Ah, demain, Valentin, merci à toi de ton passage. Bonne nuit, Valentin. Donc demain, comme je l'ai dit, Valentin. Demain, aux alentours de 13h30, tu as David, la team ASG, en live. Et demain soir, la team TFB, Fredo, qui est présent avec nous. Oula. Qui live aussi, normalement c'est à partir de 20h15, Fredo. 20h15, 20h30, 20h15. 20h15, ouais. 20h15 à la TFB. Ouais, mais vu que tu m'as menacé, je pense que je ferai rien demain soir. Non. Mais si, Fredo, t'inquiète. De toute façon, c'est pas lui. La porte-monnaie, c'est moi. Oh bah, c'est Corpire. Non, le PayPal, c'est moi. C'est Corpire. Ah bah non, bah, je l'ai pas demain soir, moi. Oulala. Ah ouais, non, franchement. Bah non, mais je savais pas quoi te donner pour l'enveloppe qu'il y a dedans. Oui, mais.
Voilà des enveloppes, je peux t'en envoyer tous les semaines, hein, Fredo. Hein. Non, mais là, pour ce que tu as donné pour l'enveloppe, ouais, je peux t'en envoyer une tous les semaines. Hein, C'est pour le prix du timbre, Mika. Oh. La poste va augmenter les prix, hein, Fredo. Ah, bah, ils ont augmenté, c'est pour ça. Ah. Les enveloppes, ça coûte cher. Ah. Bah, voilà, tu vois, même Manet, elle le vit. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Ah non. Ah tu rigoles. Ouais, pourtant il est sorti le 31 mars, il est sorti dimanche, je pense. Faut qu'on a du mode français. Non, là on a une la fille de notre voisine, elle a dans une comment on appelle ça? Dans une épicerie solidaire. Oui. Et en fait, bah quand ça arrive vraiment date DLC, bah ils peuvent donner un petit pécule pour récupérer ce qui est prêt à consommer et ce qui est plus bon, quoi. Moi, la gamine, une fois, elle m'en parle. Bah, je dis, oh ouais, moi, ça m'intéresse. T'es. Je dis, bah ouais, c'est toujours intéressant d'avoir des petits prix, tout ça. Bah, la gosse, elle me dit, bah écoute, ce que tu fais, tu me donnes un billet, puis je te mets une enveloppe, et puis dès que puis, je suis ton compte, ouais. Je lui ai donné 20 ou 30 euros tout de suite. Puis le dernier coup, je l'ai vu, je dis, au fait, on en est où dans les finances? Non, non, mais c'est bon, hein, toi, t'as le temps. Hein. Ouh là là, t'as le temps. Hein. Merci! T'es encore loin de tes dépenses. D'accord. Oh, c'est bien, c'est. Ah non, mais. Je vais le désactiver le PayPal. Et quand quelqu'un qui salue, je sais pas qui. T'es, c'est qui t'es? C'est toi ça, Fredo, non? Ah, promis sur la tête de mes enfants, là, cette fois-ci, c'est pas moi. Ah, bah non, t'es pour Thomas. T'es Donatad, ouais. Putain, même quand il est pas là. Ah, c'est sûrement pour te dire bonne nuit. Ah, bah oui, regarde, il revient dans le chat. GG, Thomas. Merci à toi. Ah ouais, mais non, mais en fait, le partenaire, il passe pas, puis en plus de ça, on le voit plus. Il n'y a pas d'autre... Je suis... Les voitures du modèle... Parce que... Franchement, merci, Thomas, merci. Ouais, bien fait. Avec Thomas, faut jamais dire jamais. Ouais. Ouais, mais... Ouais, mais... C'est ça qui est terrible, c'est comme toi. Vous avez chopé le coup, c'est qu'il y a des fois, on se dit, c'est bon... Moi, je vais lancer mon lait, je vais me dire Fredo est pas là, Thomas est pas là, c'est bon. Et là, d'un seul coup, ça tombe et c'est vous. On n'a rien fait. Oh. Mais en plus, tu sais qu'accuser les gens à tort, ça peut aller loin, quoi. Ah non, mais comme Thomas était parti, je me suis dit, bon, Thomas, il m'a dit au revoir. Voilà. Et le problème, c'est que Thomas, il dit au revoir, mais il reste en sous-marin. Non, mais franchement, ouais, je sais même pas si merci, même un gros merci, c'est même pas suffisant. Il bégaye encore. C'est ah ouais, ça. Non, mais... C'est-tu pas honteux d'entendre un mec bégayer comme ça? C'est-tu pas honteux? Fredo, je voudrais bien j'aurais bien voulu t'y voir, hein, à ton live, la première fois où t'as pris un suppo. Que ça donnait. Franchement. Que là, Vanessa, elle rigole derrière. Hein, parce que elle en a refait un en disant pour la fin, pour dire 10. Vous m'avez quand même mis 11 suppos pour mes premiers lives. Oh, après, tu iras encore te plaindre. Ah non! Ah non! Mais. T'en donnes une partie à Pâques pour les gamins, puis l'autre partie, tu vas t'acheter des caleçons tout neufs. Ah oh bah là oui, là je pense que oui, je vais falloir que j'aille me racheter des caleçons blindés avec vous. Et au pire des cas, si ça fait des sous-vêtements One Piece, et bah t'en achètes une paire à ta femme, puis voilà. Ouais, non Thomas, ça m'a coûté assez cher comme ça. Au début, je me t'ai dit, comme tu avais dit que t'étais parti, je me suis dit, bon, Vanessa elle est derrière, je l'entends pas, tu sais, rigoler comme tout à l'heure avant la notification. Donc je me suis dit, à moins que ce soit quelqu'un de nouveau... Sinon, Fredo, quoi. Puis après, c'est vrai que j'ai percuté T, je fais le T de Thomas. Je vous mettez à chaque fois des pseudos bizarres. Oui, vous, c'est marrant. Moi, beaucoup moins. Niqué. Oh, bah, moi, je vais vous laisser. Ouais. Elles ont sorti des 306. Qu'est-ce qu'elles sont moches. Bah, tu sais, je pense que je vais... Je sais même pas si je vais aller au bout de cette livraison-là, parce qu'elle est grosse. Il y a 1000 km. Après, je vais voir. Mais de toute façon, celle-là, ça sera la dernière.
Là, c'est sûr et ouais, certain, ça sera la dernière. Ouais, elle réveille demain matin, donc... Tu bosses à quelle heure demain? 8h, donc réveille à 6h. Ouais. Ah oui. Moi, c'est 9h demain. Ouais. Ah oui, toi, t'es en formation. Ah mais, tu vas en formation à 9h. Mais tu vas te lever à 7h pour Sacha. À 6h, comme d'hab. Oh la vache. Mercredi matin, j'ai une vaccination dans un poulailler, donc là par contre, démarrage à 6h30 au poulailler. Hein. Mmh. Donc il peut aller à 6h30, donc ça fait 4h30 debout. Cadeau Fredo, ça pue ça. D'accord, mais j'irai regarder ça. Quoi, allez, bah. C'est une fois où il a fait bégayer Fredo. Je sais pas. Quand tu viens de te prendre une carte. Ouais. Ah, puis non, hein. Ça, c'est un. Là, je regarde. Franchement, Thomas, merci. Parce que je crois que je vais la mettre et je vais regarder ça en boucle. Il y a un an. Ah non, mais même là, ce soir, hein, franchement, à un moment, je savais plus. Parce que. T'as la notification, bon. T'as un coup de chaud. Je pense que même toi, ça te le fait encore, Fredo. T'as un coup de chaud, tu sais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, la pression commence. Au moment où elle commence à redescendre, paf, il y en avait une autre derrière. Ah bon, non, la pression, maintenant, je la bois, moi. Ah ouais, bah. Là, je peux. Je comprends, hein. Je comprends qu'il y a des. Ouais, bah, tu me fais une compile, Thomas, tu m'envoies la compile à Fredo, je vais me faire ça en boucle, je vais rigoler. Ah non, il y a eu des. Y a eu des c'est vrai qu'il y a des moments. Quand tu n'as pas l'habitude, comme tu as eu ce soir, quand tu n'as pas l'habitude, oui. T'arrives, déjà, tu as l'alerte dans les oreilles, tu te demandes ce qui t'a. Tu sais pas. Vu que tu l'as jamais eu, l'alerte. Bah oui. Ce qu'elle veut dire. Je l'ai fait en test, c'est moi qui l'ai programmé, je l'ai fait en test. Au début, je savais que c'était un don. C'est vrai que j'avais dit à Vanessa, il faudrait qu'on essaye. Elle m'avait pas dit, tu vois. Elle a fait le PayPal là derrière moi, mais elle me l'a pas dit. Donc, t'as l'alerte, tu te dis. C'est qui, c'est quoi, qui c'est qui a trouvé le lien? Ah ouais, c'est voilà. Impressionnant. Voilà, c'est, et puis derrière, c'est vrai que vous vous y êtes mis, on va dire, à trois avec Vanessa. Hein? Ah, nous, on n'a rien fait. C'est Vanessa qui est. C'est Vanessa, nous, on n'a rien fait. Et. Tu sais plus, tu te demandes, tu. Ouais, non, tu perds. Il y a un moment du live, j'ai perdu complètement pied. Ça va, je m'aperçois que j'arrive encore à conduire. Parce que CETS, tu réfléchis pas, tu suis le GPS. Moi, j'ai juste fait un essai. Hein. Mmh. Mais tu te retrouves sur un jeu où tu sais, c'est un jeu où tu dois réfléchir à ce que tu fais. Là, tu perds complètement. Je comprends qu'il y a certains lives, même farming. La personne, elle pose son casque et puis elle sait plus ce qu'elle doit faire. Mmh. Tu joueras ton rider, tu te serais fait tuer. Oui. Tu prends comme Romain avec Grim, ça leur arrive pendant qu'ils sont à DMZ. C'est foutu. Hein. Bah Grim, il a pris un suppôt vendredi, il s'est demandé d'où ça venait. Hein. Et on s'est fait insulter. Hein. Non mais ça, c'est, franchement, c'est... Ouais, bon, bah, chez les autres, c'est drôle. Allez, à plus tard. Merci à toi. De toute façon, on se voit mercredi, nous, Pierre. Ouais. Pas ok. Tout. À mercredi. Bonne soirée à toi, à Pierre. Merci d'avoir été. Bonne soirée. Pierre. Mais ouais, non. C'est vrai que quand t'es spectateur chez quelqu'un, que ça se produit, ouais. Tu rigoles, tu te dis. Et intérieurement, moi, je me le suis dit, je voudrais pas être à leur place. Attends, c'est où ça? Il en a remis une autre, ton mobile est bidonné. Attends, c'était quelle map ça? J'ai freiné le tracteur. Le deuxième qui t'a mis, j'ai carrément freiné le tracteur. Mais là, franchement, à un moment, tu regardes tes écrans, tu regardes même plus où il va le camion, quoi. Tu sais plus. Et puis tu t'es retourné vers moi. Oui. Puis là, je vois qu'elle est bidonnée en plus, donc. Mais ouais, non, faut pas faire ça. Franchement, faut pas faire ça. Ah bah, tu vois, sur la.
Attends, c'était quelle map ça? Ah, c'était la map en solo. Il y a 8 mois. Il y a 8 mois qui m'a fait ce coup-là. Ah ouais. Il m'a cintré d'un coup d'un seul. J'ai dû arrêter le tracteur et j'ai dû aller voir Sosso en urgence. Et l'alerte, elle a tapé fort dans mes oreilles d'un coup. Ah, moi, ça va que j'ai fait des tests avant. J'ai baissé, mais vraiment baissé fort le son de l'alerte pour pas qu'elle soit trop forte. Mais Nessa, demande à Nessa qu'elle aille voir les liens. Thomas, il t'en met plusieurs là. Demande à Nessa qu'elle aille voir les liens avant que tu avant que tu les perdes. Mais c'est impressionnant. Ah non, mais je vais la regarder après. T'inquiète. De toute façon, la rediff, elle est disponible tout de suite, moi. Dès que je vais quitter le live, la rediff, elle est disponible tout de suite. Thomas, il est mort. Mais Thomas, il arrive, il dit rien, puis après, il te dit bonjour. Mais Thomas, c'est vrai que Thomas, je l'ai déjà vu mettre des suppos à beaucoup de personnes. Ah oui. Mais un jour, Thomas, ça va se retourner contre toi. Sache-le. Il va te répondre même pas peur. Ouais. C'est ça. Ah, ça, c'est sa phrase. Il va te répondre même pas peur. Ouais, non, mais c'est... Voilà, quoi, non. Tu te dis... ouais. Après, comme je dis, c'est vrai que tu fais ta chaîne. Tu fais ta chaîne, j'avais mis un gars, je me suis dit, tu sais, si un jour quelqu'un veut faire un don, tu te dis 1 euro, 2 euros, allez, 5 euros. Pour si un jour, tu sais, t'as besoin, tu veux t'acheter quelque chose, ou si, ou ça, ou... Ah, oups. des vulgarités, excusez-moi, je m'en fous. Mais tu t'attends pas à ça. Puis quand tu regardes, quand tu vois déjà, tu sais, quand t'es au-dessus de 5 euros, quand t'as un montant à deux chiffres, déjà ça te fait mal parce que tu t'attends pas à ça. Moi, je m'étais dit, allez, maximum les gens 5 euros, quoi. Tu vois des montants à deux chiffres, mais là, Thomas, il m'a mis vraiment trois gros suppos. Je m'attendais pas à ça. Et là, en fait, il t'a mis le passage où Soso est monté dans le noir et elle m'a fait peur. J'ai gueulé comme une fiotte. Ah, c'est ce fameux passage-là où tu hurles comme une gonzesse. J'ai gueulé comme une fiotte. Mais non. Je pensais que c'était un don, mais non, c'est pas un don. Là, c'est vraiment quand j'ai gueulé. Vraiment. Mmh. Voilà. Mais même Vanessa. Vanessa, il y a pris goût, là. C'est elle, le deuxième, hein. J'avais dit un test, pas deux. Mais problème, c'est que c'était juste pour voir si ça fonctionnait bien. C'est-à-dire que tu vois, là, le truc qu'il va y avoir, c'est que systématiquement, quand je vais faire des lives, elle va être derrière moi, dans le canapé. Je vais pas être rassuré. Ah non, mais reste pas, je vais pas te faire des dons tous les semaines. Non, mais... Non, ben... Mais je vais... Voilà, c'est... Ouais, je... Non, Nessa, elle va voir aussi, c'est le jour où elle prend l'idée de faire des lives, elle va voir aussi ce que... Non, Vanessa, elle n'en fera pas. Vanessa, elle n'en fera pas de live. Supposons, elle prend l'idée de faire un live, elle va s'apercevoir ce que ça donne aussi. Honnêtement, c'est vrai que ça se coule. Ne serait-ce que déjà, le jour où je vais liver sur Farming et qu'elle va être avec moi... Pardon. Excuse-moi. Et qu'il va y avoir un don, la réaction qu'elle va avoir. Ah non, toi la notification, elle l'aura pas. Elle l'aura que... Oh. Si, que sur le retour du live, en écoutant le live, tu l'as la notification. Bah, oui. La notif, elle l'aura pas, mais elle verra ta réaction. Oui, voilà. Et quand elle va voir que je vais devenir tout blanc... Parce que là, j'étais vraiment mal à un moment... Hein. Quand tu commenceras à bégayer, tout simplement. Ah bah de toute façon, vous avez déjà eu un avant-goût, parce que oui, là... Bon, j'ai pas trouvé, moi j'ai trouvé que t'étais simple. Oui. Je peux te dire que demain, je sais qu'il va y avoir une vue en plus, parce que demain, je vais le re-regarder, le live. Juste pour voir la réaction que j'ai et tout. Mais j'ai trouvé que t'étais plutôt... Tu l'as plus... Enfin... Après, Nessa, elle te connaît mieux que moi, mais... Moi, je trouve que tu l'as pris plutôt bien. Bah, c'est plus que t'es gêné. T'es gêné parce que tu t'attends pas à ça, quoi.
Demande à Kachio quand nous on a réussi à faire péter le. Il PayPal. Péter le truc à Kachio. Mais là je vais être avec toi, hein, Fredo. Ça aurait été un PayPal que j'aurais, mettons, créé aujourd'hui ou la semaine dernière, que j'aurais mis en ligne, il aurait été bloqué. Ça va que celui-là, il est créé depuis 2018, ouais, je crois. Après, tu sais que nous, quand on le fait, c'est pas méchant. Oui, mais... Il y en a, ils peuvent s'amuser à ça. Et puis, c'est déjà arrivé sur des lives où... C'est déjà arrivé sur des lives où le mec, il fait le don, puis derrière, il l'annule directement. Ah bah... Ouais. Après, après, il y en a, voilà, il y en a qui font ça, mais... Ouais, faudrait que tu demandes à Romain, je crois que c'est... Ou Thomas, peut-être qu'il était là. Faudrait que tu demandes à Romain ou à Thomas... Je crois que c'était sur le live à Gifit, je crois. Le gamin, il avait... Oui, avec le compte de ses parents, il a fait un don. Je crois que, je l'ai vu, ce live-là. Je sais pas, 500 euros 500 ou 1000 euros, je crois. Et derrière, il l'a annulé. Non, Gifit, il l'a refusé. Il l'a refusé. Ouais, tu t'imagines. Une paye. Ouais. Il avait pris la carte bleue des parents, apparemment. Et... Ah, c'est ça le truc, c'est quand tu connais la valeur de l'argent, tu sais que l'argent, tu le trouves pas sous le sabot d'un cheval, c'est difficile à gagner. Ah bah oui. Donc, mais ouais, non, franchement, je m'attendais pas à ça. Moi, je sais, quand je fais un live, c'est que je peux le faire. Quand je fais un live. Oui, quand tu fais un don, c'est que tu peux le faire, oui. Ah bah oui, mais ça surprend. Après. Voilà, t'as des chaînes, il y a certaines personnes qui ont plus de moyens que d'autres. Hein, il y a des fois, tu regardes certains lives, il y en a, c'est... Voilà, les sommes, il y a des sommes astronomiques. Hein, Bah oui. Mais non. Bon, après, il y a des fois, je me demande si c'est pas voulu, tu sais. Ils font un don d'une somme astronomique, le YouTuber, il est au courant, et derrière, il l'annule. Alors ça, après... Je ne pourrais pas te dire. Mais ouais, non. Non, mais... Après, voilà, moi, c'est sûr que... ça, c'est des... Comme je vais... Moi, je vais pas m'en cacher. C'est de l'argent que je vais mettre de côté. Si un jour, je veux prendre quelque chose... Tu voulais t'acheter un micro. Ouais, voilà, je regarde avec Vanessa. Je voulais peut-être m'acheter un micro, tu sais, perche, pour avoir un meilleur son. Ou mettre l'argent de côté pour le prochain farming, ou... Voilà, ça va être des choses qui vont être faites pour ça. Ah bah oui. Je vais laisser l'argent de côté et... De toute façon, elle est bien sur le PayPal. Elle mange pas de pain. Et puis voilà. Tu fais faire des petits. Oui, ah bah oui. Hein. Façon de parler, mais voilà. Oui. Ah non, mais bon, à l'heure actuelle, bon, c'est vrai que il y a pas longtemps, ça va faire... Si moi j'ai changé de centrale avec Vanessa, bon, on en a parlé, je me suis acheté une centrale, c'est vrai que ça a quand même un certain coût. Derrière, elle m'a acheté un écran en 32 pouces incurvé qui a un certain coût aussi. Il y a pas mal de petites choses comme ça et tu te dis, t'es sûr qu'une personne qui va te faire un don, ça te met du beurre dans les épinards. Si un jour tu veux t'acheter quelque chose pour améliorer, autant dire à la personne, autant remercier carrément les personnes qui font des dons en disant voilà, grâce au don, comme il a fait une fois Romain quand il a son écran qui était tombé en panne. Il a racheté un écran et tout, c'est vrai que moi principalement ça va rester de côté, ça va être j'ai décidé de créer ma chaîne, mais ce qui a été donné ce soir, ça va être mis de côté justement pour la chaîne. Après, comme on dit, c'est de l'argent sur un PayPal, la personne n'est pas obligée de justifier, elle peut en faire ce qu'elle en veut. Hein. Ah bah oui, totalement. Ah bah mais oui, bon. Là-dessus. Mais non, moi je préfère les laisser de côté, puis dire, t'as un prochain opus quand même qui va arriver. Là, bon, c'est un micro-casque que j'ai. C'est sûr que demain, tu passes sur un micro-perche, le son est pas du tout pareil.
Donc, c'est vrai que je me suis lancé il y a un mois et j'en avais parlé à Vanessa. Je fais un jour, j'avais dit si un jour elle veut me faire plaisir ou finalement je regarderai peut-être un peu plus tard et puis j'en achèterai peut-être un pour vraiment dire avoir un beau son, quelque chose de vraiment beaucoup plus fluide qu'avec le casque. Et voilà. Je te dis, j'ai déjà réussi à faire certaines choses. On en parlait avec Pierre samedi avant que je stream. J'ai fait mes montages vidéo, mais je me suis aperçu que les vidéos que je publiais, elles étaient qu'en 720p. Ouais, je voulais augmenter un peu. Voilà, et je savais pas si je pouvais, je comprenais pas. Je les enregistre en 1440. Et une fois que je fais le montage, ils sortent en 720p. Mais c'est juste parce que j'avais pas coché 1080. Donc là, j'ai fait une vidéo dimanche, j'ai coché en 1080. Bon, c'est plus long à mettre en ligne. Elle est de meilleure qualité, mais c'est vrai que tu sors une vidéo. Ouais, parce que toi, 1080, parce que tu peux le faire avec ton PC. Par contre, moi, avec le mien, je peux pas le faire, ça. Ah bah là, si tu regardes le live, si tu cliques sur l'engrenage, t'as du 1440. Parce que moi, je sais que le PC, il le fait. Ah, l'engrenage, je l'ai pas, moi. Vu que c'est toi le streamer, moi, je l'ai pas. Hein ? Si, quand sur l'engrenage, quand tu regardes pour la qualité de l'image, moi, je pense que tu dois l'avoir. Ou alors, ça se fait peut-être automatiquement sur les streams, je sais pas. Mais... Ouais, non, mais c'est propre, hein. C'est propre. Hein. Après, voilà, je sais que l'ordinateur, il peut le faire. Là, je disais à Pierre, samedi... j'étais à un moment, j'envoyais du 9 gigas. Tu sais, en bas, là, ton OBS. Ouais. T'as les kilobits par seconde. Mm-hmm. À un moment, je suis monté à 9005. Hein. Ah ouais. Et alors qu'OBS, je l'ai réglé sur 8000 maxi. Hein. Mm-hmm. Bon. Ouais, donc. Ah ouais, non. Et je sais que voilà, avec Vanessa, quand j'ai changé de PC et qu'elle m'a dit qu'elle m'a donné l'accord pour l'acheter, je savais que j'achetais une machine puissante. Je savais que je pourrais le faire. Bah moi je sais que quand je vais changer le mien, c'est très bien. Tu vois, on en avait déjà parlé, je pense que je sais déjà ce que je vais prendre. Je sais qu'après ça va être tout bénef, quoi. Parce que je sais que Soso déjà elle a une bonne cam déjà de base. Après comme on va dire, si tu prends un ordinateur plus puissant, peut-être que Soso pourra faire les montages dessus. Et c'est vrai que si t'as un ordinateur même pour faire les montages plus puissants, ça change quand même beaucoup, hein. Ah oui. Et là dimanche j'ai fait la vidéo. Bon. Après, c'est vrai que t'as l'avantage, c'est quand tu l'as fait à chaud, puis c'est de l'ETS, c'est plus facile à monter. Bon, il y a 2-3 effets que j'ai voulu garder, mais je disais à Vanessa, tu sais, les temps, elle me les marquait sur un bout de papier aux endroits où il fallait que je coupe. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu sais où tu dois couper, où tu mets tes transitions, tout, la vidéo, je l'ai peut-être montée en un quart d'heure, même pas. Parce qu'à force, tu sais où elles sont tes transitions, surtout en plus si tu sais où tu dois couper. Bah oui. Voilà, ça va relativement vite, mais quand t'as vraiment une bécane qui tient la route, qui te le fait, Regarde, même David, il le dit, David, quand il a changé il y a pas longtemps, pourtant avant, il avait déjà une bonne bécane, hein. Ouais, il a déjà un bon PC, lui, hein, David. Ah bah ouais, mais là, il est passé encore sur une gamme au-dessus, il le dit, hein, tu fais du montage vidéo et tout, c'est complètement différent. La map. Alors regarde, samedi au début, on avait discuté avec Pierre. Je voulais pas vous le dire que c'était Pierre qui venait me rejoindre. Et on a eu un souci, c'est que quand je lui ai fait le Swiss transfert avec tous les mods, il a un souci, son Swiss transfert, il veut pas lui prendre plus de 1,8 giga. Donc j'ai été obligé de lui envoyer les mods en 4 dossiers. Oh ouais, d'accord. Donc quand j'ai lancé mon stream, il lui restait le dernier à télécharger. Donc il a téléchargé le dernier, et au moment où il a voulu me rejoindre au début, il m'a envoyé un message. C'est pour ça que j'ai dû couper le jeu, j'ai dû le relancer.
J'avais un mode payant, j'avais oublié de le désactiver. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai quitté, mais regarde, le jeu il s'est relancé vachement vite. Mais tu vas le voir, même sur ton temps de chargement de début de jeu. Ah, quand j'ai eu le PC là au début, la toute première fois que j'ai lancé Farming dessus, je fais à Vanessa comme habituellement, tu sais, tu cliques pour qu'il se télécharge, je vais aller me faire un café. Je me lève du siège, il était déjà chargé à 100%. Ah ouais, non, mais après, voilà, quand t'as le PC qu'il faut, voilà. Ah ouais, tu te dis, ça va à une vitesse. Voilà, parce que bah, derrière, il y a la cam qu'il faut à l'intérieur. Hein. Mmh. Mais bon, tout le monde, c'est ce que Cédric disait dans le Discord à David, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un PC à 3000, 4000, 5000 euros, en exagérant un petit peu. Voilà, celui qui peut acheter un PC qu'à 800 euros, si est-ce qu'il faut dedans que le jeu va tourner, qu'il fasse 100. Hein. Faut pas non plus que les gens ils commencent à se saigner pour s'acheter l'ordinateur, quoi. Je vais vous laisser, demain je travaille. Ouais, toi tu vas en formation demain. Bah, de toute façon, il me reste 600 bornes. Je vais finir ça, puis après je vais aller me coucher. Je vais essayer d'aller me remettre de mes émotions. Bon, allez, bonne soirée. Bonne nuit, Nessa. Bonne nuit, ma chérie, à tout à l'heure. Mais non, après, voilà. Il faut pas non plus qu'une personne qui peut s'acheter un ordinateur qu'à 1500 euros. Faut pas qu'il fasse un crédit pour s'acheter un ordinateur à 5000 euros si derrière il en aura pas l'utilité. Moi je sais que. On l'a vu, nous, le nôtre. Hein. Celui que Sonia l'a vu, c'est un i9 4060. Mmh. Bah, 1005. Hein. Ouais, et voilà. Nous, on va le faire en plusieurs fois pour éviter de se foutre dedans. Ils auront mais non, Thomas, c'est bon. C'est bon, Thomas. Si, c'est fini. Mais après, comme je vais dire. Il t'arrête, Mika. Voilà. Il t'arrête, Thomas. Moi, avant, j'avais un ordinateur. Il faisait tourner le jeu en qualité moyenne. Mm-hmm. Ouais. Je me suis dit, si je veux lancer un stream, ça va jouer aussi sur la qualité de mon jeu. Donc s'il est déjà en moyen que je lance un stream qu'il va y avoir des ressources supplémentaires, ça va coincer. J'en avais parlé avec Vanessa quand j'ai acheté l'ordinateur qu'elle m'a offert là, c'est elle qui me l'a offert, c'est au mois de novembre. Mm-hmm. C'était prévu qu'une fois que j'aurai l'ordinateur, j'en avais même parlé avec Katia, de temps en temps je fasse un live, je fasse des vidéos, je fasse ma chaîne YouTube. Mm-hmm. Tout ça c'était prévu, j'ai reçu la bécane. Bon, une fois que je l'ai reçu, j'en ai parlé avec Katia, c'est vrai que j'ai téléchargé OBS, Katia me l'a fait servir. Au début, c'est vrai qu'elle m'a fait enregistrer des vidéos pour que je me familiarise bien avec et tout. Hein. Ah oui, oui. C'est pas non plus évident. Puis bon, même le PC, hein, faut prendre le temps. Et puis, ben, tu vois, regarde, maintenant, je me suis lancé. Ouais, ça m'a pris... J'ai eu 6 mois de réflexion avant de me lancer. Mais j'ai préféré me lancer et essayer de faire quelque chose de bien. Mmh. Comment ? Pas partir et puis bah que les gens ils se disent ouais le gars il se lance mais voilà quoi, c'est de la merde. Pas que ce soit bâclé quoi. Voilà, c'est comme la série que je fais sur Farming, c'est quelque chose que bah, j'ai travaillé dessus. J'aurais pu faire une première vidéo peut-être le jour où elle est sortie, j'aurais pu. Mon PC en était capable, Katia m'avait appris à me servir d'OBS, j'aurais pu. Mais non parce que j'ai préparé des choses dessus, j'ai fait des choses dessus. Pour justement pouvoir essayer de proposer quelque chose de beaucoup mieux aux gens. Même là, sur ETS, j'ai été téléchargé des mods. Bon, je me suis fait 2 dossiers. J'ai un dossier quand on est en team avec nos mods. Et moi, je me suis rajouté des mods de transport. Que de temps en temps, je vais faire. Parce que je ne sais pas si ça va bien passer en multi. Donc, c'est pour ça que là, la semaine dernière, il y avait une grosse grue. J'ai plein de chargements comme ça. Et je vais le faire, de temps en temps, je vais me faire plaisir, je vais faire un petit trajet avec des modes supplémentaires, et puis voilà. Et je vais essayer de proposer quelque chose qu'on ne voit pas forcément, tu sais, ailleurs. Bon, après, attention, ETS, il y a une communauté ETS, mais de ce que j'ai compris, t'as déjà des grosses, enfin, un petit peu comme si on parle de GFIT ou des personnes qui ont un certain nombre déjà d'abonnés aussi sur Farming. T'as des grands streamers aussi sur ETS qui ont leur communauté, qui ont peut-être 50, 60, 80 000 personnes qui les suivent. Hein. Et là, je trouve qu'ETS, c'est moins suivi qu'avant. Alors, ça dépend.
C'est un petit peu comme tout, c'est comme farming, tu sais, Fredo. T'as des chaînes, t'as des personnes qui lancent leur chaîne sur farming, mais ils pensent qu'ils vont lancer leur chaîne le lundi et que la semaine d'après, ils vont déjà avoir 150, 200 abonnés. Ah ouais, non, ouais, non, alors, bah, d'accord. Alors, bah, vu qu'ils n'ont pas les 150, 200 abonnés, que la chaîne, c'est comme tout au début, quand tu te lances, il y a des personnes qui vont venir voir une fois tes vidéos, deux fois, trois fois. C'est peut-être au bout de la cinquième fois qu'ils vont se dire bah, la vidéo, le gars, il est sérieux, il propose du contenu qui est pas mal, je vais m'abonner. Ils vont peut-être pas s'abonner à la première fois qu'ils vont arriver sur la chaîne. C'est normal. Mais non, il y a des personnes qui créent leur chaîne YouTube. C'est ce que Romain disait il y a pas longtemps quand son fils, il a dit à un de ses amis que son père, il était sur YouTube. Oh ben, il gagne de l'argent. Voilà, tu vois la mentalité un petit peu. T'es sur YouTube, tu gagnes de l'argent. Ah non. Les grands youtubeurs, ceux qui font pas forcément du farming ou de l'ETS, hein. T'as des grands youtubeurs qui font des... Re-Katia, comment ça va, la patronne? T'as des grands youtubeurs, ça fait des années, des années, des années qu'ils sont sur YouTube. Ouais, eux, ils arrivent peut-être à en vivre. Et toi, et ta chaîne, tu vas peut-être prendre un... Au début, quand tu me lances comme ça, tu vas peut-être prendre un abonné par-ci, par-là. Oh ouais, et encore. Dame Katia, ils ont été méchants avec moi ce soir. Menteur. Un mytho, c'est pas vrai, Katia. Promis, on n'a pas été salauds. C'est à toi, Katia, qu'il faut demander ça. J'ai monsieur Fredo, monsieur Thomas et madame Vanessa qui se sont mis sur moi pour me mettre en PLS, Katia. C'est même pas vrai. Ils ont osé. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de preuve, il y a un live. Il n'y a pas de preuve. Il y aurait une rediff après. T'as pas de preuve, t'as pas de témoin. Commence pas tes bêtises. T'as aucune preuve, t'as aucun témoin. Ça fait bizarre de voir Katia connectée à cette heure-ci. C'est qu'elle n'arrive pas à dormir. Ouais, non, mais ils nous mettent des maps. C'est moche. Ravenne porte. Ouais. T'as pas été essayé la map sur Mars, Fredo? Non, j'ai eu la... Dès que je l'ai vue. Je l'ai téléchargé, j'ai mis les pieds dedans, j'ai eu envie de gerber direct. Eh, tu sais que je l'ai même pas téléchargé. En ce moment, je vois les maps sortir sur mode hub, je les ouvre, je regarde les images, je me dis non, ça m'attire pas. Non, moi je cherche du multifruit, mais pas trop gros pour que je puisse faire du vieux mode. Enfin, pas trop gros. Je peux pas faire la limousine, c'est une map pour moi en solo, pour être tranquille, tu vois. Mais c'est pour multifruit, mais... Après, je sais qu'il y a une petite map qui est sortie, mais elle doit pas être multifruit. C'est un coin de Jura, je crois, ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il l'a présenté, au vu comme ça, je trouve qu'elle a l'air vachement jolie. C'est une petite map, mais est-ce qu'elle est multifruit ou pas, ça? Elle est déjà pas sur le mode up, déjà, parce qu'elle est pas dans du crossplay. Non, elle est sur King Mode. Après, c'est comme tout, hein. Tu vas choisir un mode, que ça soit sur le mode up, sur King Mode, sur les autres sites. Même le mode up, hein, y a des fois, ils te sortent des modes et ils sont pas clean, clean, clean. Hein. C'est à toi de faire le bon choix. Mais bon, Gifit, il l'a essayé et de ce que j'ai vu, elle a l'air d'être vraiment propre. Ouais, mais elle est pas multifree, je crois. Après, c'est plus pour... Là, je trouve que c'est une map qui est jolie, c'est pour l'ambiance. Là, c'est vrai, c'est une map qui est faite pour du petit mode. Hein. Et après, ouais. Mais bon, c'est pareil, Fredo. Tu veux faire du petit mode, donc déjà, tu vas te compliquer la tâche. Si en plus tu rajoutes du multifruit. Ah, c'est pour le plaisir du multifruit, hein. C'est pour le... comme on prend le plaisir sur la limousine, tu vois, c'est ça. Ouais. Ouais, mais. Désolé. Après, ça reste assez compliqué, hein. C'est ce qu'on disait une fois. C'est très très dur de réussir à trouver, à l'heure actuelle, sur tous les sites, hein, une map, style française, pour du petit matériel. Avec des petits champs et des champs moyens et du multifruit. Bah, c'est surtout pour repartir sur la Outstream Farm, tu vois, parce que la Outstream Farm, tout le monde l'a croqué depuis 2017 ou 2015. Bah,
Après, voilà, ce que j'ai l'impression aussi qui se passe, c'est qu'il y a des fois, tu as des maps qui sont sorties sur le 17, ils ont été ressortis sur le 19, ça a bien fonctionné, bah oui, les gens qui étaient accrochés au 17, la map sort sur le 19, ils y vont, et ils l'ont ressorti sur le 22, et ça a beaucoup, ça a moins de succès que sur les autres opus. Après, la All Stream, elle est jolie parce que la All Stream, elle est jolie quand t'es en multi parce que voilà, c'est tip top. Hein. Oui. Mais deux fermes à vache, une ferme à mouton, une pâture à vache. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. T'as pas mal de. Après, le truc qu'il y a, c'est ce que. Il y en a qui disent aussi. Il y a des fois, tu regardes les photos, c'est très très beau. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que bah, y a des fois le mappeur, quand il prend les photos, derrière, il fait peut-être quelques petites retouches, il met un shader, et toi, quand tu la télécharges, bah, c'est moins beau. Tu te sors déçu, quoi. Voilà, c'est parce que c'est beaucoup moins beau à regarder. C'est ça. Voilà. Il y en a beaucoup qui trichent comme ça. Tu pourras rien y faire. Tu sais, même il y a des fois, il y a des joueurs quand ils jouent, même des streamers, quand ils streament leur partie, il y en a qui mettent des shaders, des machins. Tu te dis, oh la vache, la map, elle est super belle. Et ils devraient pas faire ça parce que toi, derrière, quand tu vas la télécharger, ouais. Tu regardes, tu te dis, oh, j'ai pas du tout le même rendu. Après, oui, c'est sûr, il y a peut-être certains streamers qui ont des machines de guerre. Qui peuvent peut-être streamer et jouer en 1440 et avoir une qualité super belle, mais le problème c'est que derrière ils rajoutent encore en plus des shaders. J'ai regardé certaines photos, t'as vraiment l'impression que c'est tiré de la réalité. Et toi t'as pas du tout le même rendu. Donc voilà. Oui, Katia, c'est quoi que t'as encore là? C'est que t'as du mal à dormir ou... Après, oui, je comprends aussi que vous ayez du mal à dormir. De toute façon, n'hésite pas, hein, Katia. Je travaille pas mardi, je travaille pas mercredi, je travaille pas jeudi. Je reprends vendredi nuit à partir de 23h30. Donc, si t'as besoin dans la semaine ou tu m'envoies un petit message, je te dis si je suis dispo et si t'as besoin qu'on parle ou quelque chose, vous hésitez pas. Hein. En gros, il est en train de dire que c'est un gros feignant et qu'il bosse jamais, quoi. Ben, c'est pas ça, Fredo. C'est que on vient de quitter le mois de mars. On est bien d'accord que la loi stipule que t'as le droit de faire 192 heures maximum par mois. Ouais. J'ai fait 190 heures. Ah ouais. C'est pas ça, c'est que j'ai fait pas mal de nuits. Mais pas mal de week-ends de nuit, et à chaque fois c'est des 12 heures. Forcément. Ouais. Ouais, c'est pour ça, Katia, si t'as besoin de te parler pour vider un peu ton sac ou n'hésite pas. Là, tu vois, regarde, hier, comme je te disais, Fredo, quand je suis parti en urgence, j'y ai pensé après en arrivant au boulot. On a deux week-ends par mois. Ouais. J'ai pas travaillé samedi, j'ai travaillé dimanche. Je me suis encore fait sauter un week-end. Ouais. Moi, c'est le cinquième depuis le début de l'année. Hein. Je me fais sauter comme ça pour rendre service. Mais bon, voilà. Après, je sais que en ayant fait 190 heures, comme je t'ai dit, t'es appelé comme ça à la dernière minute. En plus, jour férié, de nuit. Ben, je sais que quand la paye elle va tomber, je vais avoir une galette un petit peu plus grosse. Ouais, c'est sûr, mais après il faut aussi je parle pas pour toi, mais pas être égoïste dans le sens pour les patrons, faut penser aussi que les ouvriers, enfin les employés, ils ont une vie de famille. Voilà, t'as un petit message dans le chat pour toi, Fredo, de la part de Katia. Ouais, patronne, ça marche. Je lui dis en descendant. Ouais. Moi je te dis, Katia, il y a pas de souci, t'envoies un petit message. Je suis présent à la maison. S'il y a besoin, tu sais qu'on est là. Hein. Ouais, j'en parle à ce soir après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Samedi, Matt s'inquiétait aussi, Katia. Quand j'ai streamé samedi avec Pierre, il m'a demandé si tu faisais encore des streams.
Il m'a dit, il m'a marqué, la patronne stream plus. Je fais si, si, je fais, mais il y a des fois, il y a les choses de la vie qui font que, voilà, ouais. On peut pas non plus toujours streamer la vie personnelle. Il y a des fois, est prioritaire, bah, même tout le temps, elle doit tout le temps être prioritaire d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, bah, quand il y a un souci, c'est vrai que le fait que je puisse maintenant streamer comme ça. Ça, il y a des fois, Katia, c'est vrai qu'elle se dit si ça va pas, elle est fatiguée, elle a un souci, elle peut m'envoyer un message si je suis dispo. Je vais le faire, je vais streamer pour la team et tout, comme ça, bah, même si c'est sur ma page à moi, et là c'était au nom des déglingués, hein, donc c'est pour la team. Comme ça, il y a un suivi, tu sais, derrière qui est fait et tout. Ça évite aux gens de se dire bah, il n'y a rien qui est fait pendant X temps et puis. Voilà, après, on sait maintenant que les gens se lassent très 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 vite des choses. Ah, t'as vu aux infos, t'es en parlant de la vie de tous les jours. Hein. Non, j'ai pas regardé aujourd'hui les infos. Bah, hier, samedi, ils ont retrouvé le ptio. Ah oui, ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas suivi plus que ça. Mmh. Enfin, ils ont retrouvé. Oui, mais alors, ce qui est bizarre, c'est que d'après ce que j'ai vu passer sur Internet, quand ils ont organisé les battues, tout ça, c'est un coin qui a été ratissé. Hein. Mais c'est ce que je disais à Sonia. J'y sais quand même bizarre parce que au début c'est une zone où c'est qu'ils ont, mais apparemment c'est des os qu'ils ont retrouvés. Oui. Alors après, si tu veux, ce qui est malheureux, enfin ce qui est bien dans un sens, ils l'ont trouvé. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils l'ont trouvé. Et dans des conditions qui sont horribles. Et le problème qu'il y a, c'est que maintenant il va falloir qu'ils arrivent à découvrir ce qui s'est passé. Ah, c'est ça le problème. Alors il va falloir que les... Parce que bon, bah là, même si il n'y a pas de corps, il n'y a que des os, hein. T'as un médecin légiste et un anthropologue judiciaire qui vont devoir déterminer, en lisant les os, s'ils voient qu'il s'est passé quelque chose ou pas. Ah, mais je peux pas la télécharger, la coin de Jura, parce qu'il manque, il y a besoin de FS22-MA7 fumier libre zip. Il est peut-être gratuit. Mais on peut pas. Où c'est que c'est ça? En mode up? Ah, je pense. Hein. À croire que on l'a senti parce qu'on en a parlé il y a quelques temps avec Vanessa. On parlait parce que j'avais encore vu qu'il y avait une personne qui avait disparu. Et Vanessa, elle dit bah, encore une personne. Bah, c'est comme le gamin, on n'en entend plus parler. Mais ils avaient réouvert. Et tout, enfin, ils sont encore sur l'enquête hein, depuis que le gamin est disparu. Et la gamine qui avait disparu, pareil, qui était partie de chez sa mère, qui allait rejoindre son copain, qui est parti à la gare, puis qu'on n'en a plus de nouvelles non plus. Si, si, elle a été retrouvée, il me semble. Faut que je remande à Soyo, mais je crois que ça a été fait. Ça me dit rien. Hein. Il me semble que si, mais pas dans des conditions. Je crois que c'est pas dans des conditions. Faut que je demande à Soyo, parce que j'ai lâché un peu l'affaire sur ce truc-là, mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Je sais qu'il y avait le couple de jeunes là, qui avait été retrouvé, bah pareil, ouais, mort. Ouais. Mais ça, ouais. Ça, j'avais dit à Vanessa, on en avait parlé tout au début. Et ben, c'est un petit peu comme toi, Fredo. Enfin, comme ton papa, t'as ça dans le sang. Hein. Ah quand, bah... quand t'as été dedans une fois, tu le vois. Et j'avais dit à Vanessa, quand ils avaient parlé qu'ils avaient une somme d'argent pour acheter une voiture et qu'ils avaient été chez des amis, j'avais dit à Vanessa, je fais les amis, je les sens pas. Mais c'est des jeunes, ils avaient une somme d'argent, et ben, il s'avère que c'était ça. Bon là, le petit jeune, j'en avais parlé une fois à Vanessa, j'y ai donné ce que moi je ressentais personnellement. Après, je vais pas en parler, parce qu'il y a une enquête en cours. Hein. Mmh. Ce que moi j'ai ressenti personnellement, après on verra en conclusion d'enquête ce qu'ils vont conclure. Mais... Ouais. C'est gros quand même, il y a des choses, c'est gros quand même. C'est comme là, la jeune, tant, elle part de chez elle... Elle va à la gare, elle disparaît sur la route, il n'y a personne qui voit rien. Bah là, c'est comme là, le tchou, il a disparu. Il y a des gens qui l'ont vu descendre tout seul, ils n'ont pas pris l'idée de... Ils ont pas pris l'idée de... comment dire ça de d'interpeller le tchou, puis de le remonter à ses grands-parents. Le problème qu'il y a, c'est que tu as des versions qui te disent... bah, ils ont vu le tchou tout seul dans le village... Il y en a d'autres, non, on ne l'a pas vu. Ouais. Et après, moi, il y a une chose qui m'a énormément choqué, c'est que tu n'as jamais les parents qui ont pris la parole.
je sais pas, Fredo, demain, moi, j'ai un de mes gamins qui disparaît. Je peux dire que je vais me battre. S'il faut faire un appel à la télévision, je vais faire un appel à la télévision. Je vais mettre tous les moyens que je peux, je vais les mettre en œuvre. Hein. Là, les parents, t'en as jamais entendu parler. La seule chose que moi, j'ai entendu et qui m'a choqué, c'est que le dimanche, ils ont été priés à l'église, toute la famille. Ouais. Je sais pas, demain, j'ai un gamin qui disparaît. Le dimanche, je vais pas aller prier à l'église. Hein. Au lieu d'aller passer une heure enfermé à l'église, je vais passer une heure dans les pâtures ou dans les forêts à essayer de chercher, à essayer de le trouver. Hein. Ouais, mais bon, depuis juillet, ça fait... Mais bon, après, c'est pareil, c'est une famille de croyants. Donc, ouais. Moi, j'ai souvenir quand mes parents étaient boulangers, une fois, il y a une dame, une cliente à ma mère, pareil, c'était une famille qui était fort croyant. Et on apprend que la dame, elle a perdu son fils. Elle l'a perdu, il devait avoir 25, 26 ans. Et il a eu un accident, voilà. On passe le matin, écoute, la cliente, elle vient chercher le pain. Donc elle vient chercher sa baguette, mais comme si de rien n'était, comme d'habitude. Hein. Donc ma mère, elle lui présente ses condoléances. Et là, la mère, elle la regarde, et ça m'a choqué. Elle la regardait, puis elle dit, écoutez, Dieu, il avait besoin de lui, il l'a rappelé. Ouais, c'est... C'est pour ça que, oui, c'est des personnes qui sont croyantes, mais écoute, quand elle dit ça, Dieu avait besoin de lui, il l'a rappelé. Voilà, quoi, c'est... Alors moi, ça m'avait choqué à ce temps-là. Bon, tu perds quand même un enfant, quoi. Mais eux, ils le prenaient comme ça, mais bon. Et si tout le monde n'a pas la même réaction devant un décès... Ah, ça se trouve, elle a réagi comme ça, mais derrière, elle en pleure toutes ses larmes. Bah voilà, sur le coup, au début, elle se dit, bon, bah Dieu avait besoin de lui, il l'a rappelé. Mais quelques mois plus tard, est-ce qu'avec le manque et tout ça, il n'y a pas une autre réaction qui se fait ou... Voilà, c'est compliqué. Après, de toute façon, tu peux pas te mettre à la place d'une personne comme ça. C'est quand il y a un décès. Voilà. Regarde-moi, bah, après, on est différent, on n'est pas sur une... Là, on n'est pas sur une disparition de personne, on est sur un décès naturel, on va dire. Moi, quand j'ai pas vu ma grand-mère, à la base, il était prévu qu'on aille la voir tous les trois à la maison mortuaire, j'ai pas su faire le premier pas. Ah, mais moi, Fredo, j'ai été depuis, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai été voir une seule personne au funérarium, mon père. Ouais. Les autres personnes, je n'ai jamais été voir d'autres personnes au funérarium. Je ne peux pas. Et voilà. Mon père, c'est parce qu'il fallait que je lui dise un dernier au revoir. Voilà, voilà, c'est tout. Mais les autres personnes, je préfère garder l'image d'eux que j'ai en tête. Une dernière vision d'eux que j'ai où ils sont souriantes. Voilà. Après, c'est comme quand malheureusement, mon papa est décédé. Moi, j'ai mon grand-père, on l'a vu en quelques mois. Il a pris derrière un énorme coup de vieux, hein. Et en parlant avec lui, il disait tout. Moi, mon grand-père nous l'a dit clairement. C'est moi qui aurais dû être à sa place. Oui. Voilà. On dit toujours, un parent ne doit pas enterrer son fils. Et maintenant, il y a les choses de la vie qui font que, voilà, tu peux très bien avoir la maladie, tu peux très bien avoir d'autres choses. Et voilà. Hein. C'est comme je vais déraper sur un sujet. Je devais faire quelque chose demain et. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Je devais faire une petite vidéo ETS, mais je pense que ça va faire de trop. Demain, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Ouais. Voilà. Et... T'as des personnes, attention, hein. T'as des personnes, quand tu vas leur dire « J'ai un frère, j'ai un parent, j'ai un enfant qui est autiste », tu les vois plus. C'est pas contagieux, hein. Et... Ah bah non. Et voilà, et t'as des... Après, voilà, il y a plus... Je ne vais pas en connaissance de cause, quoi. T'as plusieurs degrés d'autisme. Et là, c'est pareil, il y a des personnes... Malheureusement, quand une personne va annoncer à quelqu'un que bon, c'est une maladie maintenant qui est courante, qui a de plus en plus le cancer, quand une personne te dit « j'ai le cancer », il y a des personnes, ils ne vont plus les voir. Et le cancer, de toute façon, le cancer... C'est tout bête. On l'a tous dans le corps. Hein. Voilà, tout le monde là. Il se déclare ou il se déclare pas. C'est ça. J'ai perdu mes deux grands-mères, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle.
d'un cancer du poumon. Mes grands-mères n'ont jamais touché une cigarette. Ouais. Et le cancer, tu nais avec et puis c'est voilà. Où il se développe ou il se développe pas. Ouais. C'est tout. Donc après, comme on va dire, quelqu'un qui est fumeur va mettre des prédispositions à ce qui se déclare ou pas. Ouais. Puis c'est tout, c'est comme ça. Et non, mais il y a certaines personnes. Voilà, demain, une personne va aller les voir en disant bah, on m'a décelé un cancer. Bah, derrière, oh là là, on lui parle plus. Parce que voilà, les gens sont comme ça. Les gens ont. Toute maladie n'est pas. Attention, le cancer, c'est pas un rhume, ça s'attrape pas comme ça. Non, malheureusement, c'est voilà. Alors, les gens réagissent très très mal et. Alors que justement, une personne qui va découvrir comme ça une maladie, hein, qui n'est pas contagieuse, mais qui va déclarer une maladie comme un cancer, comme quelque chose comme ça, la personne, ce qu'elle a besoin, c'est d'avoir du soutien derrière pour l'aider, pour lui dire je suis pas seul. Et puis ben, y a des fois, elle va avoir des jours où la personne va être bien, il y a des fois, elle a des jours où elle est moins bien, et c'est de se dire si un jour elle est dans le moins bien, elle a besoin de parler à une personne ou quoi ou qu'est-ce, de se dire bah, si j'envoie un message à une personne en disant je suis pas bien, que la personne elle va la rappeler pour lui remonter le moral, ça va lui faire du bien. Ça va plus l'aider que les personnes qui vont tourner le dos. Oh bah. Mais bon. Oh putain, pardon. C'est beaucoup comme ça maintenant. Hein. La mentalité des gens a totalement changé depuis 20 ans. Oui. Les gens, ils ont tout changé depuis 20 ans. Alors, le nonchalant, le non-respect, le... Alors, voilà, ça a commencé à fort bouger. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est génération. Hein. On dit une génération, c'est 20 ans. Voilà, il y a une génération là qui change, mais il y a quelque chose qui nous a fait énormément de mal, qui a fait que les gens, par rapport à ce qui s'est passé, on pensait énormément à eux, ça a été le Covid. Ouais. Par rapport au Covid, les gens se sont énormément recentrés sur eux-mêmes. C'est leur petite personne qui a compté. Et par rapport à ça, bah maintenant, y a beaucoup de personnes qui n'ont plus rien à faire des autres. Bah, regarde, une connerie pure et dure de l'être humain pendant le Covid. Après c'est débile parce que bon je comprends pas trop l'histoire avec ce sujet avec ce truc là mais ce produit là mais regarde un peu voir quand ils se sont jetés sur les rouleaux de PQ. L'histoire du PQ. Ah mais tu sais que nous en magasin on a eu d'énormes fous rires. Non mais c'est. Ah, non mais moi une fois j'ai été voir un client. Pour lui dire qu'il faisait une connerie, le gars il avait au moins 30 paquets de riz dans son caddie. Ouais. Et il avait 6 ou 7 paquets de PQ. Je l'ai regardé, je fais, vous savez que si vous mangez tout ce riz-là, le papier toilette, vous n'allez pas l'utiliser. Bah ouais. Et les gens, mais même les pâtes, moi j'ai vu des gens arriver, courir au rayon pâtes. L'homme, hein, derrière, il y avait la femme qui arrivait avec le caddie. Vite, 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 dépêche-toi, ils ont remis des pâtes. Prenez des brassées complètes de paquets de pâtes pour mettre dans le caddie. Préparez-vous à tourner. Et... Sonia, elle a halluciné. C'est elle qui faisait les courses, elle est devenue folle. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que un paquet. J'ai toujours trois. Enfin, tu sais, moi, je suis pas pâte. Je suis pas pâte de base, mais j'ai toujours 2-3 paquets de pâtes. Voilà. 3-4 paquets de pâtes. Voilà. Nous, on est 4 à la maison. J'ai un ancien meuble qu'on a mis dans le garage. Ouais. On appelle ça le garde-manger. Dedans, on a 3-4 paquets de pâtes, un paquet de riz, une bouteille d'huile. T'as un petit peu de stock pour dire, si tu viens utiliser ta bouteille d'huile qu'elle est vide, si c'est le soir, voilà, tu sais que t'en as une en réserve. Mais de là, en avoir 50. Ah ouais, non, mais la mentalité des gens, elle est comme ça et c'est malheureux de voir à quel point. T'as des gens, tu vois des reportages, il y a des gens qui ont aménagé leur grenier, c'est un garde-manger. Ouais. Je veux bien le paquet de pâtes, même si la date elle est dépassée. Oui, c'est pas périssable, tu peux encore le consommer, c'est du sec jusqu'à un an après. Oui, mais quel est l'intérêt? Oui, mais c'est ça le problème, c'est que les gens, à cette époque-là, ils sont devenus complètement pétés. C'est là que les gens ont commencé à dire, je pense à ma gueule, je fais des réserves. Maintenant, si les autres, ils en ont pas, tant pis pour eux.
je m'en pète à rien. Bah oui, mais c'est ça. Mais maintenant, demain, on va te dire, on rentre en état de guerre. Comment les gens vont avoir cette réaction-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont fait ça. Après, le gouvernement l'avait dit. Ils étaient en droit. C'est pour ça que quand le président avait fait son annonce, il avait parlé d'état de guerre. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus rien dans les magasins, que tu fais des réserves, les militaires sont en droit de venir chez toi pour venir prendre tes réserves pour les militaires. Voilà. Ouais, mais bon, t'as pas le droit de crever de faim non plus, quoi. Non, bah, ils te laisseront pas crever de faim. Mais je veux dire, si tu te retrouves à avoir 50 paquets de pâtes et que t'es tout seul chez toi, ils vont dire, vous avez peut-être 4-5 paquets de pâtes, vous en aurez peut-être assez, vous en avez peut-être pas besoin de 50. C'est sûr. Et voilà, mais c'est tout des choses comme ça. Mais les gens, mais il y a des gens, ouais, ils ont été complètement allumés. C'est bon. C'est malheureux, hein. C'est la mentalité de maintenant, c'est malheureux. C'est malheureux. Ouais, mais je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que t'as des jeunes qui sont arrivés au moment où ils en âge de comment prendre leur envol, au moment où il y a eu le Covid. Et ils ont vu la réaction de certaines personnes. Ah oui. C'est pas là. Ah oui, totalement. Et je pense que malheureusement, bah, cette génération-là, elle sera marquée. Elle va être marquée parce qu'elle va se dire non mais il y a des gens qui étaient complètement fous et si un jour ça vient à se reproduire, va falloir que je prenne des dispositions. C'est honteux, c'est honteux d'en arriver là, mais le problème c'est que va faire comprendre. Alors nous on a, enfin va faire comprendre. Nous on est des gens à l'habitude, enfin, on a de l'âge et tout ça, donc c'est à peu près sur quoi on s'engage. Mais pour certains jeunes, va leur faire comprendre les choses maintenant. Tu passes, même avec de l'ancienneté, tu passes pour un vieux croulon, ils en ont rien à carrer, est-ce que tu dis. Ils en ont rien à carrer. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu vas essayer de leur donner des conseils, et le vieux retourne dans ta grotte. Ah, bon, bah, d'accord. Ça. C'est ça, et quand tu vois l'attitude des gens, moi je vois, j'ai un collègue qui m'a raconté une fois, il y en a une petite mamie, elle était avec la canne et puis les jeunes ils y ont shooté dans la canne à grand-mère et à sa vautrée par terre. Je trouve ça un peu abusé, un peu honteux, tu vois. Moi j'avais eu à ce temps-là, quand je faisais le magasin, j'avais eu les félicitations du directeur. Parce que ben t'avais des personnes qui étaient qui avaient leur carte d'handicapé. Et moi j'avais pas peur, j'allais voir les gens, je leur disais écoutez. Personne elle a sa carte, faut la laisser passer. Je faisais remballer les articles aux gens. Bon, je vais vous laisser là-dessus les loulous. Donc on aura bien roulé, on aura fait 3 heures de live. Encore un grand merci à vous. Merci pour les pouces, merci pour les visionnages, pour les abonnements. Un énorme GG à Vanessa, à Thomas et à Fredo pour leurs dons. Même énorme GG, je sais pas si c'est assez gros, vous m'avez mis en PLS, vous avez pas été sympa, mais je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.